Alors, petit récap, hein, parce que mine de rien quand même, moi j'ai un peu oublié tout ce qu'on avait fait la dernière fois. Parce que n'empêche, j'ai oublié, c'était il y a deux jours les gars, moi j'oublie, hein, déjà j'oublie ce que je mange hier. Alors me demandez pas de me souvenir ce qu'on a fait la dernière fois, hein. Alors là, voilà. Et du coup ça va très bien Sori, merci, j'espère que toi aussi. Alors, je crois que on avait fait les 5 premiers batchs du jeu, je crois. Et c'est tout. Alors, petite réexplication, parce que si certains n'ont pas été là ce week-end, éventuellement, je me permets de réexpliquer. On a commencé samedi soir une petite série sur Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha, parce que la dernière fois que j'ai fait le jeu, c'était il y a v'là longtemps, tu vois. J'avais fait le jeu pour le marathon Pokémon il y a presque 2 ans, c'était il y a 1 an et demi. Et j'avais fait un marathon Pokémon et j'avais enchaîné tous les jeux de la licence Pokémon d'affilée en une semaine. Et du coup, j'avais refait Saphir et Ruby Omega. Sauf que j'avais fait ça en speedrunnant un peu le jeu. C'est-à-dire que j'avais tracé ça en un seul live et j'avais utilisé qu'un seul Pokémon. C'était évidemment Lagron, le Poké beaucoup trop fort, quoi. Et j'avais tracé tout le jeu avec lui. Et du coup, j'avais pas pris le temps de vraiment apprécier le jeu. Et ça fait 10 ans que du coup, j'ai pas eu le temps de refaire vraiment ce jeu correctement. Donc je me suis dit, je vais le faire, mais en remodifier un petit peu le jeu. Et d'ailleurs je me rends compte que tout le monde est en train de refaire ce jeu en ce moment. C'est à dire que je crois que Gigi il a lancé une série sur ce jeu là aussi, Jiraya. Je crois qu'il a lancé un let's play sur ce jeu, mais je crois que c'est totalement en solo, enfin en vanilla, je veux dire il a rien modifié du tout lui pour le coup. Et je crois qu'on avait Sakor qui a fait le jeu aussi, donc LRB qui a fait le jeu avant. Je crois qu'il y a Redemption qui est en train de le finir en ce moment. Enfin il y a tout le monde qui est en train de faire ce jeu là en ce moment, je sais pas pourquoi. En ce moment la 3G. C'est peut-être parce qu'il y a eu l'annonce de Pokémon ZA, peut-être que ça a donné envie à tout le monde de rejouer à Pokémon, j'en sais rien quoi. Je sais pas du tout. Merci Dracofeu, Happy Del, merci beaucoup pour les 6 mois de sub, ça fait plaisir. Mais du coup, pour vous résumer un petit peu vite fait, en gros, là j'ai randomisé tout dans le jeu, donc c'est-à-dire les rencontres des Pokémon, j'ai randomisé les dresseurs, j'ai randomisé les arènes, les champions d'arènes qui ont des Pokémon un peu plus forts que la normale, normalement, enfin c'est random. J'ai randomisé beaucoup de trucs, on va dire, d'une manière générale pour rendre le jeu un peu plus dur. Surtout que, bon, il y a des attaques qui m'ont bien one-shot hein, la dernière fois, c'est-à-dire que j'avais un Giratina qui s'est fait one-shot par du abîme, puis un autre Pokémon qui s'est fait aussi one-shot par du abîme, bref, je vais pas rentrer dans les détails mais on se souvient très bien. Et du coup, le seul truc que j'ai pas random, c'est les types des Poké. Voilà, mais c'est-à-dire que quand un Pokémon évolue, en fait, il change complètement d'apparence, c'est complètement un autre Pokémon. Et voilà, et moi je me suis dit, c'est cool. Bon, au fur et à mesure que j'étais en train de faire le jeu, je me suis rendu compte que j'aurais dû peut-être randomiser à chaque level. Ça aussi, c'est un truc que je ferai pour la prochaine fois. Mais voilà, je me dis, au moins, c'est déjà cool, on a un petit côté random. Alors, par contre, ma cam, elle est pas droite, je sais pas pourquoi, mais elle est un peu penchée, donc moi, ça m'énerve. Moi, j'aime pas. Hop. Attendez, je vais réussir, hein, bougez pas. Ouais, j'ai l'impression que... Attendez, elle me capte beaucoup trop haut, en fait. Attendez, il faut que j'augmente un peu. Voilà. Voilà, en fait, c'est peut-être ma tête, je pense. Ma tête, elle est... Ouais. Elle rentre pas dans le cadre, mais là, c'est bon. Là, c'est mieux, là. C'est bon. Ok, nickel. Parfait. Nickel. Impeccable, mon ami. Impeccable. Tout va très bien. Tout va très, très bien. Parfait. Et donc, petit récapitulatif de mon équipe actuelle restante. Parce que, mine de rien... malheureusement, il est possible que on ait perdu quelques pokés malheureusement à la fin du dernier stream quoi. Donc du coup nous avons le GOAT, hein, Frison, le GOAT, hein, on l'appelle le Free GOAT même, on l'appelle hein, dans ce live en général, il s'appelle Free GOAT. Il est incroyable, il s'est fait 2 arènes tout seul le frérot, il est beaucoup trop fort. Avec un talent excessivement nul à chier qui ne sert à rien bien sûr. Les talents adverses ne bloquent pas ses capacités, donc voilà, tout le monde s'en fout finalement de ce talent. Mais bon, c'est pas ça le plus important, ce qui est le plus important c'est son attaque de 94, qui est énorme. Voilà, ensuite nous avons un Galekid qui va bientôt évoluer puisqu'il évolue niveau 32, donc il va évoluer aujourd'hui et il va changer. Le problème c'est qu'il va aussi perdre son talent Coloforce en évoluant, qui est complètement broken, mais du coup ça va être changé. On a un Branette hein, qui malheureusement a un peu de level de retard, hein, parce que là pour vous dire, à part lui, tous les autres ils ont 10 niveaux de retard, donc on va voir un peu ce que ça va donner aujourd'hui. On a un Kabuto qui est à la ramasse totale, on a un Tranchodon niveau 6, me demandez pas pourquoi. Et lui aussi je l'ai pris dans l'équipe pour le faire évoluer. Enfin bref, en gros c'est la merde. Voilà hein, c'est un peu la merde pour être honnête. On a un peu tout perdu la dernière fois. Donc je sais pas trop comment on va faire. Et je sais même pas ce qu'on doit faire maintenant. Parce que là on arrive dans la partie du jeu où je ne me souviens plus du tout de ce qu'il faut faire. C'est à dire que juste tout ce qu'il y avait avant, je m'en souvenais. À partir de la 5ème arène, je ne me rappelle plus. Le seul truc que je sais, c'est qu'il y a un champion d'arène qui arrive incessamment sous peu. Donc c'est soit le suivant, soit le prochain, soit celui d'après. Qui est un peu fort, c'est à dire que je crois qu'il a 2 Pokémon en même temps. Enfin je crois que c'est un combat duo. C'est le seul truc, genre Levi et Tatiana je crois, ça s'appelle un truc comme ça. Voilà, c'est le seul truc dont je me souviens, c'est qu'il va y avoir un combat duo. Le reste... Putain ça commence bien déjà. Le reste, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, d'accord. Donc voilà. Ah bah super, ça commence bien, un petit hippo roi. Attendez, faut juste que je vérifie un truc. 2 secondes.
Hop, je vais mettre mon Discord à côté parce que sinon je risque de pas bien voir les trucs. Voilà. Ah mais attends, mais ils sont au niveau 19 ici, pourquoi ils sont au level 19? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là encore? Qu'est-ce qui se passe? Ouais bah écoutez. Et puis je rappelle, à chaque fois qu'on capture un Pokémon, je mets le pseudo d'une personne du chat, bien sûr, donc faudra être présent. Le truc c'est que je crois que cette zone on l'a déjà fait, non? Je sais plus. Est-ce que... Glad soin? Oh! 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 Est-ce que des gens ont une bonne mémoire dans le chat et se souviennent, est-ce que j'ai pêché un Pokémon dans cette zone ou pas? Parce qu'à mon avis, oui. Mais dans le doute, je préfère vous demander parce que je pense que vous avez une meilleure mémoire que moi en fait. Dans le doute. Ouais. Ouais, c'est ce que je me disais, ouais. Tu as pêché le Mlega Bizarro puis le Tranchodon. Ah ouais, j'ai fait le Tranchodon ici! Oui! C'est vrai. Oui, j'ai eu les 3 Blizzaro méga. Et vu que j'ai dit que je prenais plus de méga évolution, on a eu effectivement le truc après. Ah mais du coup, faut que j'apprenne surf. Mais attends, mais je suis dans une sauce, mec. Oh. Ah mais... Bah, il me semblait que la dernière fois, il y avait que lui qui pouvait apprendre surf, mais en fait, pas du tout. En vrai, je vais l'apprendre à Kabuto, hein, je pense. De toute façon, je crois qu'il a même pas d'attaque haut, je crois, ce poké, non? Ouais, il a Coquilame. Je vais lui enlever Anohydro, je pense, hein, à mon avis. Ouais, j'enlève Anohydro. Ouais. Bon, sinon, ça se passe comment, vous, votre début de semaine, là? J'étais pas passé depuis longtemps, moi, je fais des allers-retours à Londres toutes les semaines pour mes études, trop content d'être là. C'est vrai, mec? Putain. Mais c'est pas super joli, Londres. Chaque fois que je vois passer des vidéos ou des images de Londres, ça me donne toujours envie d'un jour d'aller visiter. Genre, je sais pas, ça m'a l'air tellement plus beau que Paris. En fait, j'ai l'impression que toutes les capitales du monde ont l'air plus beau que Paris. Peut-être que j'ai une haine... contre Paris aussi, c'est peut-être ça aussi le problème. Hein. Peut-être j'avoue que Paris, c'est pas trop mon délire. Hein. Pas vous mytho. Mais bon. Londres c'est joli, la météo pas tant que ça. Ouais bah après c'est... Ouais c'est comme en Belgique quoi, à chaque fois que je suis allé en Belgique il pleut tout le temps quoi, tu vois c'est pareil. Hein. Bon, à Londres la bouffe est nulle. Ah, j'aime bien mes Français là. Ah ça, j'aime bien les Français putain. Le premier argument, la bouffe. Ah ça, ça me régale. Ça c'est mon Français ça. Ça c'est mes Français. Ça dépend, pas super fun perso et la nourriture est horrible. Hein. Ouais bah ouais. Oh, c'est la partie du jeu avec Latias. Oh mon dieu. Oh, là je me souviens plus, attendez. Là je m'en souviens plus de ça. Ouais, le seul défaut de la 3G c'est Too Much Water. Mais moi j'aime bien justement. Puis en plus bon, Too Much Water, bon ils ont pas joué à la 7ème génération hein, parce qu'il y avait de l'eau partout. Hein. Latias. Non sans déconner, vous êtes Latias ou Latios vous? Tu me demandes de monter sur ton dos? Bah super, alors moi je parle pas le Pokémon perso hein, mais voilà. Attends mais c'est maintenant qu'on l'a? Mais c'est hyper tôt non? C'est trop bien comme région, il y a vraiment de tout. Moi j'adore la 3G hein, franchement la 3G je la trouve incroyable. Hein. Mais en fait toutes les générations sont bien je trouve. Hein. Toutes les générations, les maps de toutes les générations sont bien. En fait à chaque fois qu'un jeu sort, j'ai l'impression que tout le monde dit « Ah oh, c'est la pire région qu'on ait jamais eue ». Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, les gens s'habituent à la génération, à la région. Et finalement, les gens kiffent la région. Genre, moi, je sais que la 7ème gen, quand elle est sortie, les gens ont dit « Putain, c'est trop nul !» Et au final, maintenant, finalement, c'est cool, tu vois. Pareil, la 8ème génération, j'étais en mode au début, la map, vraiment, oh, vraiment le jeu il m'ennuie, etc. Et je l'ai refait il n'y a pas si longtemps que ça, et en vrai, ça va, tu vois. Je pense qu'en fait, il faut juste nous laisser le temps, en fait. C'est qu'on s'attend trop à des gros bangers, en fait, mais pas du tout, quoi. La 3G, c'est celle que j'ai le plus poncé, donc je suis pas objectif, je kiffe la 3G. Moi, j'en connais un dans le chat. Il aime beaucoup la 3G et en plus de ça c'est le pire modo mais je vais rien dire. Bon hein. De mon temps on l'avait bien plus tard. Hein. Ouais mais après mec là on est dans le remake. Hein. Mais attends mais tu as pas joué à celui-là? Bah non parce que tu t'es arrêté à la GBA toi. Mais t'as pas vu ce qu'ils ont fait sur celui-là? Si je sais pas si t'as déjà regardé des vidéos du jeu ou pas de celui-là. Parce que moi je trouve que ce remake, ils ont vraiment sublimé le jeu original. Genre moi qui étais pas trop fan de la 3ème génération quand je t'avais volé tes jeux à l'époque là, ton cas. Quand je t'avais volé Ruby et que j'avais effacé ta sauvegarde, mais ça faut pas le dire. Je sais que, tu vois, j'avais jamais été... On a Latias sur ce jeu? Ah non, mais de toute façon c'est random, donc en vrai, on s'en fout. Non, parce que moi, je suis team Latias, donc du coup, voilà. Mais Ah, mais non, mais faut pas lui ramener un truc pour le soigner ou je sais pas c'est quoi, non? C'est pas un truc comme ça? Et je trouve que ce jeu, ils l'ont vraiment sublimé. Genre, quand j'ai joué à ce jeu-là, je l'ai trouvé incroyable, quoi. Putain, en plus, c'est les graphismes à ce moment-là étaient vraiment incroyables. Non, ce jeu, quand il est sorti, c'était le meilleur jeu de la 3DS, je trouve, celui-là. C'était insane. Je déteste toujours Galar et Paldea, et même Kalos et Alola, j'aime pas tant que ça. Mais toi, t'aimes rien, toi, pour détester la 6, 7, 8, 9G. T'es un border de 5G, toi, je suis sûr. Hein. Ah, je me souviens plus. Du coup, ça, tu te souviens pas de... Enfin, tu connais pas ce passage, du coup, tant qu'à toi, non?
C'est incroyable, j'adore ce passage là. Mais je m'en souviens tellement plus. Juste en gros, il y a la team Magma qui vient nous faire chier, je sais plus. Une méga gemme. Ah mais oui, c'est parce qu'il y a vu les méga Evo, ouais. Après la dernière génération aussi. Moi en vrai, ce qui me dérange dans la dernière génération, c'est vraiment... Bon déjà, la map est pas folle déjà, je trouve, en vrai. Genre... En fait, ça se voit qu'ils ont voulu faire un test d'open world, en fait, je trouve, dans le dernier jeu. Ça se voit que c'est un test, tu vois, mais bon... Pff. Et ouais, dans ce jeu, du coup, on a... On bouge pas de là. Fais voir, il se passe quoi si je dis on s'en va tout de suite, hein. Hey, j'aime bien ton humour. J'aime bien quand tu rigoles, sors ton Pokémon, on va se battre. Pierre qui nous laisse pas le choix. Ça me régale. Il va falloir vous éliminer. L'élimination en question, 2 points. Attention. Attention, l'élimination. Ah ouais. Alors moi, le poké de droite, il me fait pas peur, mais celui de gauche, il me fait... Chier. Oh, il a un Netoraptor. Attends, mais est-ce qu'il est pas en train de nous leaker son équipe en avance, là? Le frérot, là. Attends, il est peut-être en train de nous leak son équipe, hein. Attends, faut peut-être que je prenne note, attends. Attends, mais pourquoi il est niveau 41 sur Pokémon? Mais attends, mais j'ai des levels de retard ou c'est comment ça se passe, là, en fait, là? Full défense et PV, celui de gauche. Bah ouais, 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 non, mais ouais. En fait, je vais regarder son équipe parce qu'il y a moyen que ce soit son équipe. Alors si m'envoie ça à la ligue, on est dans la merde, hein. Alors là, le frérot, parce que moi d'habitude, ce poké là, je le tue en 10 coups à peu près, hein. Là, il a failli le one shot, hein, ce machin, hein. Ouais, excuse-nous, hein, vraiment, excuse-nous, frérot. Alors si m'envoie ça à la ligue, on est dans la merde. Attends, bon, je peux prendre le kill à gauche ou tu peux t'occuper du poké à droite, là? Ouais, le mec me fait l'attaque de Reshiram, quoi. Vraiment, hein. Mais, non mais, c'est une folie, mec. Le Etoraptor bien boosté aux hormones. Oh putain, vraiment, hein. Waze qui monte au niveau 24, hein. Litchi niveau 9, hein. Litchi niveau 10. Et je sais pas si Litchi elle est là ou pas dans le chat, mais il va falloir que vraiment son tranchodon il nous carry parce que putain. Non, déjà je veux pas prendre flash déjà. Il y a 7 niveaux de différence, hein. Ouais mais même, hein. Enfin même, hein, ce poké c'est incroyable, hein. Bon bah Etoraptor, bah tu vas jouer tout seul, hein. Mais il fait que ça. Il fait que cette attaque. Est-ce qu'il a pas un truc genre le mouchoir choix ou un truc comme ça, tu vois? Ah, peut-être pas le mouchoir choix, mais genre le bandeau choix ou les lunettes choix, un truc comme ça, tu vois? Un truc comme ça, peut-être, hein. Je sais pas, il est bloqué sur une attaque, on dirait. Peut-être qu'il a une attaque, hein. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que vu que les Pokémon me donnent beaucoup d'XP, toute ma team est en train de level up, quoi, mais bon. Hein. Enfin, ça XP bien, là, hein. C'est super efficace sur les deux. Ah bah oui, c'est vrai, oui, mais bon. Tourniquet, bah c'est bien les bonnes attaques de merde aujourd'hui, flash et tourniquet pour l'instant. Ouais, peut-être que l'IA a juste voulu faire une attaque super efficace. Ah bah, on va pas voir le reste de ses capacités du coup. Allez, allez, les gars, franchement vous savez quoi, moi je vois dans le futur. Allez, je pré-shot qui va encore faire la même attaque. Putain mais décidément les gars, je suis trop chaud en vrai au jeu quand même, hein. Vraiment, je vois le futur. Ah putain, par contre lui il a bien tanké, hein. Coup critique en plus. Y'a qui peut bientôt évoluer? On a le Galekid qui va évoluer. On a le crotte de nez là. On a la coutonnée là qui va évoluer aussi. Moi je vais rien faire, en vrai je vais le laisser jouer tout seul, hein. Kill les tours à temps pour spec la team de Pierre, hein. Ouais, c'est ce qu'on va faire, mais attends, déjà je vais voir son dernier Pokémon parce que si son dernier Pokémon c'est un légendaire, bon. Et ouais, je vais tuer son Etoraptor, on va regarder un petit peu ce qu'il a. Parce qu'en vrai il va peut-être me leak son équipe là. Oh, tranche, c'est pas mal en vrai. En vrai, je vais prendre tranche parce que ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un item qui augmente le taux de coups critiques. Et comme ça, il fera des coups critiques tout le temps. Ça fera du 140 de puissance, c'est très bien. Il a plus de PP, ouais. Normalement, il a plus de PP, donc on va voir. Hein. On va voir ses autres attaques. Parce qu'en vrai, s'il me sort rapace, je vais péter les plombs quand même. Hein. Pont chien, ok, là, je peux le tuer, c'est bon. Déjà, il va attaquer avant moi, donc là, je le tue. Attendez, je vais tuer son Etoraptor. Hop. Tempête florale. Oh putain, d'accord. Ça va. Ah, il me tape en plus, il en a rien à foutre, hein. Allez, dégage le Etoraptor là. J'ai envie de voir c'est quoi ces pokés là. Son équipe est pas random tout au long du jeu? Bah je sais pas, c'est pour ça que je voulais voir un peu ce qu'il avait. Il a un flow tout temps. Qu'est-ce qu'il a d'autre après là? Qu'est-ce qu'il a de plus là? On va voir, normalement on va voir le suivant. Putain mais même pas, mais mec, hein. Le prochain il est même pas capable de le fumer, quoi. Que de faire? Ouais, il a des bonnes attaques quand même. Oh, on pourra même pas voir le suivant.
Les admins Team Magma qui ont des Pokémon absolument éclataxes, hein, vraiment. Hein. C'est une folie. Hein. C'est là qu'il te sort un Lugia. Mais je serais même pas étonné qu'il me sorte un légendaire en vrai. Hein. C'est Pierre. Hein. C'est bien ce que je pensais. Toi, jeté dans le collimateur. Désormais, je vais plus te quitter des yeux. Dis donc, tu es complètement psychopathe, madame l'admin. Je vais dire Team Rocket, hein, mais je me suis trompé de génération. La roue du LG sera un peu plus grande que d'habitude car le 0-0 est entouré de. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Après, si tu veux, je peux redémarrer le serveur si tu veux. N'oublions pas de redonner des forces à tes Pokémon, ils se sont bien battus. C'est vrai que bon. C'est vrai que mon frigo, il s'est bien battu quand même. Hein. Putain, vraiment débonné. C'est grâce à toi que nous avons pu sauver ce Pokémon et la méga gemme qui tient. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout grâce à ton Eto Raptor avec l'attaque de Reshiram. C'est vrai que c'est absolument pas. J'ai même l'impression que Latios t'a reconnu comme un dresseur digne de confiance. Attends, c'est fou parce qu'on a vraiment rien fait à part force quoi. Normalement sa team change tout, en tout cas le cas c'était pas... Ah ok bah du coup ça sert à rien. Après moi s'il me sort pas le Etoraptor Flamme Croix ça me va. Il n'y a plus de place, veuillez choisir un Pokémon à renvoyer dans l'une de vos boîtes PC. Qui en renvoie? En vrai je vais pas renvoyer le... En vrai j'ai besoin d'XP sur tout le monde là, ça fait chier. Hein. Mais attends mais on gagne vraiment le Latios du coup là? Ah mais on gagne vraiment le Latios directement? En vrai je vais pas l'utiliser je pense en vrai, hein. Je vais pas l'utiliser à mon avis. Hein. En vrai Latios... Hein. Bah en vrai je sais pas si on va l'utiliser. Je pense pas qu'on va l'utiliser en vrai parce que c'est pas une rencontre qu'on a eue naturellement donc je pense pas qu'on va l'utiliser. Je vais l'appeler Comment je l'appelle? Bah au pire je l'appelle quand même écoutez, je vais quand même tirer au sort quelqu'un dans le chat mais partez du principe que je vais le laisser dans le PC d'accord. Parce que voilà, à moins que ce soit un shiny mais bon sinon je vais le laisser dans le PC parce que voilà. Tanka tu veux être Latios? Attends bah attends. Tanka, je vais l'appeler Tanka parce que en vrai il va rester dans le PC tout le temps. Voilà hop attendez. Je voulais... Voilà. Voulez-vous le surnommer Tanka? Vas-y. Ah et tiens, la Latiosite. Attends, tu vas avoir des capacités de merde. Bah super. Bah Tanka s'est barré. Tu mérites quelque chose de ma part. Tanka s'est barré quoi. Super, merci beaucoup Tanka, ça fait plaisir. Hein. Non mais vous inquiétez pas, de toute façon on va en capturer 14 000 des pokés, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que vu que le mec est là une fois tous les 14 milliards d'années... Hein. C'est bon du coup on va pouvoir avoir le Branette là. Ça y est, le méga Branette, on va pouvoir le réavoir. Trop stylé en vrai. Oh, le jeu va être plus facile quand même avec ça. Oui, bon, allez, c'est bon. On a compris. Allez, c'est bon. Comment on vole maintenant? Moi, j'ai envie de voler en fait. J'ai envie de voler. Par contre, c'est abusé qu'il nous donne dans le jeu. Je me souvenais pas qu'il nous donnait Latios comme ça gratuitement quoi. C'est vraiment abusé, je trouve. Vraiment, le jeu, le Poké nous est donné comme ça. En mode, bien joué, t'as gagné un combat. Tiens, prends ce Poké légendaire. Beau travail. Mais en vrai, le lore est trop bizarre là. Parce que là, on nous a donné Latias. Genre, c'est en mode Latias qui nous a dit tiens, prends ce Latios. Hein. Genre, elle voulait juste s'en débarrasser en fait. En gros, c'est ça l'idée. Elle vivait au quotidien avec le Latios. Elle s'est dit ah, nique en vrai là. J'en ai marre de le voir là, c'est bon. Tiens. Bon, par contre, fais voir un peu ce niveau 30. Hein. Bon, en vrai, il est pas mal, mais bon. En vrai, partez du principe. Je vais le mettre dans le PC, et au pire, si c'est la merde, je l'utiliserai, ok? Mais voilà. Par contre, comment on vole avec? C'est pas maintenant? C'est après, je suppose? Comment on fait? Je pense que c'est après, non? Ouais, elle nature, par contre, hein, je suis d'accord. Il te donne Latios niveau 35 direct, plus la méga Evo, mais je te jure. Ouais, par contre, sa nature. En vrai, ça va. C'est avec la flûte. Hein. Ah, c'est largement après, ok. Bon en vrai du coup nique hein, en vrai. Hein. Bah je vais le poser dans le PC hein, vous savez quoi. Hein. C'est quand qu'on a vol d'ailleurs les gars? C'est quand qu'on a vol hein? J'aimerais bien pouvoir voler en fait ça. Parce que c'est bien sympa mais bon j'en ai marre de me taper toujours à pied tous les chemins. C'est l'arène d'après? Ok. Ok j'aime bien les gars, j'aime bien. Je sais même plus c'est quoi les prochaines arènes. Je crois qu'on a... Attendez. On a une arène psy. On a une arène O, la 8ème, et alors, soit la 6ème, soit la 7ème, je sais plus ce que c'est. Hein. Il m'en manque une. Hein. Ah là, c'est vol qu'on a. On a arène vol, puis après on a psy. C'est ça? Je me souviens plus. Hein. Honnêtement, les gars, je jure, ce jeu, c'est... Oh, je m'en rappelle tellement plus, mec, c'est une folie. Hop, je vais récupérer mon Polarum quand même, faut pas déconner. Hop, tant qu'il va rester dans le PC. Pour l'instant, mais peut-être qu'à la ligue, j'aurais peut-être besoin de lui parce que on n'est pas à l'abri d'un poké qui va nous sortir un truc qui nous one-shot tout le monde quoi. Ah et du coup je vais pouvoir ressortir la Branettite là que je vais donner à mon Branette. Hop,
Et lui, je vais lui filer la roche royale à ce poké là. Hop. Mec, j'ai tellement d'items. Hein. Merci Breakors. 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 Merci beaucoup pour le raid. Bonjour. Bonjour à tes viewers. Et bonjour à toi. Salut tout le monde. Il a repris quand? Il en a perdu depuis. J'ai repris à quoi? Il y a même pas 20 minutes en vrai. Hein. Là, je viens de recommencer là, dis-toi. Non, mais ça y est. J'avais fait aucun dresseur sur cette route en fait. Hein. Salut Enrico. Bonjour à ceux qui arrivent, les amis. Je vous ai posté le planning. Pour ceux qui étaient pas là avant, je vous ai mis le planning sur Discord si vous voulez. De la semaine. Hein. Comme ça, vous avez tout. Si ça vous chauffe. Hein. Allez, ciao! Capture un Pokémon dans le désert. Non, mais je crois que c'est après le désert, de toute façon. De toute façon, pour l'instant, je me back avec mon dé magique parce que je me dis que... Bon, ça va, il est niveau 19 quand même, ça va. Parce que, bon... Il est niveau 19, j'étais en train de me dire, dis donc, le jeu se fout quand même bien de ma gueule, hein. En vrai, c'est bien parce que ça fait de l'XP, ce truc, hein. Ouais, voilà, voilà. Ah non, parce que j'étais en train de me dire, le jeu se fout de ma gueule, hein. Heureusement, ça fait un peu d'XP, ça permet de faire monter un petit peu les levels des autres parce que, bon, ils sont un peu à la bourre. Hein. Ah bon, je peux faire le désert maintenant? C'est où le désert? Ah ouais? Attends. Le désert qui est avant là? Ah ouais? Des magiques, c'était qui à la base déjà? Des magiques, je me souviens plus, mec. Je crois que c'était un autre Pokémon bien gaze, je crois, avant des magiques, non? Ah non, c'était le Flabébé! C'était le Flabébé! C'était le Flabébé qui a évolué niveau 19. Hein. Mais en vrai, moi je suis trop content d'avoir eu Frison. Hein. Franchement, en vrai, au début j'étais pas content. Et en vrai, là, après avoir bien joué avec, je me dis vraiment ce Poké, c'est une folie. Hein. Ah bah oui, c'est bon, j'ai les lunettes sables du coup. Ok, bah du coup, attends, mais on est toujours sur la route 111 en fait, les gars. C'est le problème, c'est qu'on est toujours sur la route 111 en fait, c'est le même endroit. Bah ouais. On n'a pas changé d'endroit en fait, c'est littéralement le même. Bah ouais. Oh putain, par contre, j'entends un Junko là. J'entendais un Junko là. Dommage. Oh, Pierre Soleil, c'est bien par contre. Attends. J'ai pas un Pokémon qui évolue en Pierre Soleil, les gars? Me semble que j'ai un Pokémon qui évolue avec une Pierre Soleil. Le Poké électrique. Ah, Galvaran, il évolue. OMG, le retour. On va pouvoir le faire évoluer, lui. Bah, c'est bien, en vrai. On va prendre un fossile. Hein. Après, le problème, c'est que le fossile, j'en ai déjà pris un. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai déjà un fossile, en fait. C'est le Kabuto, là. J'ai déjà un fossile. Tu as les fossiles que tu peux réa à Merouville. Mais ouais, mais j'ai déjà fait. Bah ouais. Enfin, Merouville, on est d'accord, c'est la première zone du jeu, là. C'est la première ville, avec la première arène. Non? Parce que bah j'ai déjà fait un Pokémon là-bas. Ah bah j'ai déjà fait un Pokémon. Il y avait quoi comme Poké dans la zone juste comme ça pour savoir? Putain, j'aurais bien aimé avoir ça. Hein. Franchement, en vrai... Après, ça, on n'a pas Staros quoi, c'est ça le truc. On aurait eu que Starry. Mais j'aurais bien aimé avoir un Starry quand même. Moi j'adore Staros. Hein. Voilà, je le dis, je pense que c'est mon Poké préféré de la 1G, je pense. Staros. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que par rapport à l'anime, peut-être. Peut-être. Ou dans l'animé son cri, vous avez déjà écouté le cri de Staros dans l'animé Pokémon? Quand il tire des bulles, il fait « Ah !» comme ça. Ah bah en fait, il en fout partout quoi. Voilà, c'est... On n'en dira pas plus. Ah mais du coup, je suis revenu ici, putain, mais quel enfer. Dans l'animé, c'est spécial. Bah ouais, hein. Bon bah voilà, il n'y a rien de plus à faire, hein. Cool. Merci Mod. Pour combien t'as fait, dis-moi? Comme ça, quand je piquerai, tu me dis. Salut Shawa12. Moi j'adore Balignon aussi dans l'animé. Balignon, Balignon, Balignon. Tu viens de ruiner mon enfance. Non mais... non mais... Non mais attendez, vous avez pas écouté ça? Attendez. Attendez, faut que je vous montre. Hein. Attendez, attendez, attendez. Merci Benji. Ok, attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bougez pas. Ça c'est l'animé Pokémon, hein. Voilà, tu vois, c'est spécial quoi. Je veux pas savoir comment ils ont enregistré ça, mais je veux pas savoir. Vraiment, je ne veux pas savoir comment ils ont enregistré ça quoi. Vraiment, c'est... En fait, quand on était petit, on s'en rendait pas compte, mais maintenant, ça prend une toute autre signification quoi, quand on entend maintenant. Quand on entend maintenant, il y a une toute autre signification quoi, en fait. C'est terrible quoi.
C'est même pas caché. Ouais, mais je te jure, ils se sont dit bon, allez. Eh, Nick, c'est bon, on n'a pas le temps là. On va enregistrer le premier cri. C'est bon, Géraldine, c'est bon. On la garde. On la garde, la prise. Merci, jus de citron. Bah, comment ça, t'es pas content? T'es pas content d'avoir entendu le cri de Staros? Merci, Benji, hein, pour les 1 an de sub aussi. Par contre, je crois être l'une des seules personnes à adorer Tentacruel. Hein. Non, mais Tentacruel, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Hein, Tentacruel. En plus, c'est super fort comme Pokémon, je crois. C'est... Les gens, ils aiment bien. Hein. Tu joues à mon jeu de cœur, Banger, ce jeu, mais oui, ce jeu est incroyable. Hein. Moi, il y a un doublage de Pokémon que j'adore et je le vois passer tout le temps sur TikTok maintenant. C'est Balignon, frère. Depuis que je l'ai entendu, c'est. Balignon. Balignon, Balignon, Balignon. Et tout le temps, ça. Dans la vidéo de The Guild, mon rôle est finalement cheaté. LGUH100 début de game, il utilise un super pack de shader. J'aimerais bien l'avoir, quelqu'un pourrait l'envoyer. Alors. Je pense que c'est sur la chaîne de Rediff. Il y a deux possibilités. Soit c'est le BSL, BLS, un des deux. BSL, BSL, enfin je... BSL, BLS. Un nom de shader qui a trois lettres avec B, L et S dedans. Soit c'est le complémentary shader. C'est l'un des deux, littéralement. Ah j'ai plus coupe du coup. Ah mais oui j'ai perdu. Ah bah ouais j'ai perdu mon Pokémon avec coupe. Oh merde. Attendez c'est pas une nouvelle route là non? Non c'est pas une nouvelle route hein. Non, non, c'est pas une nouvelle route, donc il faut que je me casse de là. Voilà, ici, route 218, en haut, route 219. Ok. Ok, on y va. Bonsoir, Gil, tu peux me faire toute l'équipe tour de l'équipe, on a eu des morts. Non, il n'y a pas eu de mort du tout aujourd'hui. Par contre, on a eu Latios, que j'ai mis dans le PC, parce que bon, il est un peu fort. Mais Latios nous a été donné par le jeu, donc je l'ai mis dans le PC. Il y a un dresseur, là, ouais. Par contre, ça, c'est une zone, ça. Ouais. Attendez, c'est quoi ce cri, les gars? Les gars, c'est quoi ce cri? Les gars, c'est le cri de quel poké, ça? C'est le kid, c'est Pyrax, hein, on est d'accord, hein. On est bien d'accord, hein, c'est Pyrax, hein. Ouais, ouais. Merci Lumé pour les 11 mois de sub. Merci The Guild, mais y'a pas de soucis, avec plaisir, n'hésite pas si t'as d'autres questions. C'est sûrement Balignon. Oh, c'est Pyrax. Il est où? Ça, alors ça c'est vraiment très 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 bien ça. Oh ça, alors ça on va pas se plaindre. Hein. Ah ouais non, là on va pas se plaindre du tout. Hein. Electacle, oh Summer. Non on va pas se plaindre de ce banger. En plus j'ai des CT de zinzin donc on va pas s'en plaindre. Hein. Je crois que j'ai Mega Corn en plus en CT. Il va le one tap. Non. Je vais l'attaquer avec Éclatroc. Hein. On va tirer au sort quelqu'un dans le chat, hein, je pense. Hein. Absol, c'était mon Pokémon préféré. Il y a que dans un film et dans Donjon Mystère, équipe de secours, qu'on le voit dans le scénar et encore. Ouais. Ouais, Donjon Mystère, j'avoue que je m'en souviens plus trop, moi. J'avoue, hein. Putain, mon chat bug, je ne peux pas remonter mon chat. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je peux pas remonter le chat, désolé, je voulais lire des messages, mais je peux pas remonter. Arrête-toi! Bon. Les gars, par contre, vous vous rendez compte que je lui ai quand même baissé 3 fois d'affilée ça. Oh, j'ai plus de Pokéball. Oh merde. On va voir si j'ai de la chatte. Hein. Non, mais le taux de capture a été changé, c'est pas possible en fait. Non, mais alors, je me demande si en fait le taux de capture des Pokémon n'est pas le taux de capture des Pokémon originaux qu'il y a sur les herbes. Hein. Tu vois ce que je veux dire hein? Ouais, mettez vos pseudos. Merci Ardaz pour les 13 mois de sub. En vrai, il y a peut-être un monde où c'est le taux de capture des pokés qu'il y a sur les herbes. Parce que... C'est vraiment fort, hein, quand même. Hein. Enfin, il y a beaucoup de Pokémon que je capture vraiment facilement. Donc bon, après, peut-être que... Pas touché, hein. Je pense que ce Pyrax est dur à attraper. Après, si ça se trouve, j'ai vraiment une chatte monstrueuse. Hein. C'est possible aussi, hein. Merci Tifols. J'ai une chatte monstrueuse, peut-être. Après, j'ai pas eu énormément de Pokémon difficiles à capturer, je crois, hein, depuis le début. Hein. J'en ai eu 2 à tout casser. Mettez vos pseudos dans le chat, on va tirer au sort quelqu'un. Et qui sera ce Pyrax qui va venir dans l'équipe bien assez rapidement, je pense. Hein. Parce que Pyrax, c'est très fort et clairement, moi j'adore ce poké. Très rarement l'occasion de le jouer, donc il va clairement venir dans l'équipe. Hein. Ça se trouve, t'as juste de la chance. Bah ouais, ça se trouve, j'ai juste une chance énorme, hein, on sait pas en fait. Hein. Peut-être que c'est comme Dream, hein. Peut-être autant de chance que Dream, hein, qui sait. Hein. La Dream Luck, comme on dit. Hein. Alors... Où il est mon Nightbot? Il est où? Il est là mon Nightbot. Mesdames et messieurs, la personne qui est tirée au sort pour ce premier Pokémon de la journée. Eragon. Oh, Eragon 11. 11, regardez, Eragon. En vrai, Eragon ça lui va bien comme nom je trouve. Pour ma part.
Eragon. Je trouve que ça lui va super bien. Eragon qui ira au PC pour l'instant. Attendez deux secondes, je vais laisser le netbot ouvert pour tout à l'heure hein, quand tu auras un autre Pokémon. Ça m'évitera de le réouvrir. Hein. Pourquoi c'est jamais moi bordel? Bah parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dans le chat. Il y a des gens qui mettent moi dans le chat. Non, c'est bon. L'effet du répulsif est dissipé. Non, je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je croyais qu'on pouvait s'envoler en s'attrapant, hein, d'accord. Par contre, moi, j'ai pas eu de... Encore de... Tu sais, de... Comment on appelle ça, là? De horde de Pokémon, hein. Comment on fait pour avoir des hordes de Pokémon, les gars, dans ce jeu? Ah, ok. Bon, bah, elle me heal. Comment on fait pour avoir des hordes de Pokémon? J'ai vu un clip de rédemption où il a 5 Rayquaza. Comment je fais pour avoir 5 Rayquaza, moi aussi, et faire un TikTok à 1 million de vues? S'il vous plaît, les gars. Merci, Tiger Matt. Merci beaucoup. Avec du miel et du doux parfum. Ah! 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 Hmm. Ok. 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 Ou alors c'est random dans les hautes herbes, mais pas commun. Ok, ouais. Bah, dis donc, de retour, mon ami Pyrax. En vrai, un petit shiny là. Vous savez ce qui manque, effectivement, quand même. Je trouve qu'il manque un petit shiny à ce jeu, quand même. Hein. Parce que c'est bien gentil tout ça, mais on n'a pas eu de shiny encore. Ça manque d'un shiny là. Grâce à Pyrax, tu pourras, il a du parfum. Oh la folie! Et moi, je pense que du coup, je vais attendre. Hein. La prochaine zone, je vais attendre avant de le capturer, du coup. Hein. Est-ce que. Oh non, j'ai pas le bon vélo, je crois. Oh non, j'ai pas le bon vélo. Il faut que j'ai l'autre. Hein. Faut que j'ai le vélo de cross, je crois, non? Bah ouais. Ouais, faut que j'ai l'autre. Hein. Bon, dommage, hein. C'est juste du bonus ici. Y'a quoi? Y'a une Pokéball hein? Oh d'accord, ok. Merci Fetik Nata, merci beaucoup pour le 11 mois de sub. Hein. Bah décidément, y'a des bons Poké là-dedans. Ça, c'est vraiment un Poké que j'ai jamais joué. Hein. Fionn. Genre Fionn, c'est vraiment le Poké, je le trouve. Mais qui a déjà eu ce Pokémon dans son équipe, sérieux? Fionn. Vraiment? Autant Manaphy, tu vois, je vois bien, mais Fionn? Y'a qu'une Master Ball? Y'a qu'une Master Ball? Non! Après les objets sont random mec hein. C'est nul, il a que 80 dans toutes les stats. Ouais mais non mais c'est vraiment le là c'est, je trouve c'est vraiment la définition du Pokémon mythique tu vois. C'est à dire perso je l'ai jamais vu ce Pokémon quasiment. La seule façon de l'avoir je crois que c'était Ah merde mais attends, il va se faire casser la gueule mon Galekid là. Il y a un Wistikram. En vrai le fait que ce soit un combat duo ça m'arrange pas du tout cette histoire hein, quand même hein. 60 ou 80 stats, je sais plus. Mais en tout cas, je sais plus comment tu faisais pour l'avoir. Autant Manaphy, je me souviens. Manaphy, il y avait l'œuf de Manaphy. Je crois que tu pouvais avoir avec Pokémon Ranger, je crois, à l'époque, sur la DS. Il me semble que c'était comme ça. Mais alors Fionn? C'est avec Pokémon Ranger qu'on pouvait l'avoir, je crois, non? Il me semble. Qu'est-ce qu'il m'a fait, le frérot, là? Wistikram mais pas combat, t'inquiète. Hein. Non mais, bah après, s'il a une attaque feu, ça me fait chier, quand même. Hein. Mais bon. Bon, hop, allez, on va pas se faire chier. Parce qu'en vrai, vu que j'utilise jamais, allez! Profitons un petit peu des méga évo là! Profitons un petit peu de ça quand même! Attends. Les méga évolutions, c'est quand même. À toi! Non, non, s'il te plaît, non. Non, non pas le Branette, pitié, non, je t'en prie. Peregrin, ne tape pas le Branette, je t'en prie. Non, s'il vous plaît, je sens qu'on va le perdre, on va le perdre. Je le sais qu'on va le perdre. Imitation, super. C'est quoi imitation? Ah super. On va le perdre. On va le perdre. Non c'est bon, toi les legs je tank, c'est bon. Ouais c'est bon, c'est nul à chier, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est nul à chier. Trop hâte de les revoir dans AZ les méga, mais de ouf en vrai. Franchement, ça c'est vraiment le truc que j'attends le plus du jeu, ça va être trop bien. Plaquage. Tac, 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 tac. Je prends même pas le risque, hein. C'est bon. Hein. Tu avais Fionn en élevant un Manaphy avec des œufs et t'inquiète, il y a la pluie qui diminue les dégâts feu, faut que t'essaies de faire attention au climat. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que la pluie diminue les dégâts du feu, c'est vrai, j'avais complètement zappé ça. Enfin, c'est surtout, c'est même pas que j'avais zappé, c'est surtout que... Bah, surtout que j'étais même pas au courant, en fait, je suis en train de me dire, je crois. La pluie diminue les dégâts du feu? Autant ça augmente la puissance des attaques haut, d'accord, mais... Attends! Ah, mais le frérot. Attends, le frérot a quand même appris d'affilée. Feu sacré, flamme bleue et ça quoi. Hein. Mais en vrai, il faut pas que je l'apprenne. Hein, parce qu'en vrai, c'est.
85 de précision en Nuzlocke, c'est... Non, c'est mort. J'apprends pas. C'est une belle attaque, mais j'apprends pas. Merci Anna pour les 30 mois de sub. Ah. 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 Je vais enlever ça parce que si ça évolue en Pokémon plante, Écosphère, faut que je prenne. Hein. Écosphère, je crois, c'est 80-90 de puissance. Hein. La tempête de sable esquive augmente l'esquive des Pokémon de type sol. Ah ouais, mais tu vois, mais ça, je savais même pas, tu vois. C'est une folie. Ça, vraiment, je savais pas du tout. Pour le coup, Marteau-point, c'est fort, non? Ah, c'est pas mal en vrai, Marteau-point. Hein. Je vais garder Glas de soin parce que je me dis que Glas de soin, ça peut être très sympa. Si à un moment donné, j'ai ma team par exemple qui est full empoisonnée, bah du coup, je peux mettre Tranchodon, je fais Glas de soin et hop, plus personne empoisonné. Ne me regarde pas toi monsieur. On peut passer sur les côtés. Non, je suis obligé de me taper les hautes herbes exceptionnelles. Ça augmente pas l'esquive des Pokémon sol, mais la défense spéciale des Pokémon roche, c'est le mec qui en connaît beaucoup trop. J'avoue que le climat, moi, c'est un truc qui m'a jamais, enfin, dont j'ai jamais vraiment fait attention à Pokémon. Donc en vrai, vous m'apprenez quelque chose. On apprend des trucs, hein. Moi, je vais avancer à la prochaine ville. Sonia, le docteur. Ouais, il y a une talent. Oui, il y a un talent qui augmente l'esquive des Pokémon type sol. Je crois, je sais plus comment ça s'appelle. C'est truc sable, quelque chose comme ça. Je sais plus quoi. Je crois que Grignote et Karchakrok, ils ont voile sable, ouais c'est ça. C'est le talent de Grignote, je crois. Ils l'ont Grignote et tout, je crois, il me semble. Et maintenant, la neige augmente aussi la défense des Pokémon glace. Hein. Et la grêle n'existe plus. Attends, dans la 9G, là, il n'y a plus de grêle? Ça n'existe plus? Genre, oui, c'est remplacé par la neige. La grêle, c'est ça, non? C'est marrant qu'ils aient enlevé la grêle. J'ai même pas fait gaffe en fait. Hein. J'ai même pas fait gaffe. Hein. La neige, c'est une grêle qui fait pas de dégâts. Oh. Ils ont enlevé la grêle dans la 9G. What the fuck, hein, c'est trop bizarre. Hein. Faut être majeur pour participer au Guild Games. Non, c'était plus de 15 ans si je dis pas de bêtises. Plus de 15 ans. Ok. Je savais même pas qu'ils avaient remplacé la grêle, tu vois. Le réchauffement climatique enlève la grêle. Je savais pas qu'ils avaient remplacé vraiment. J'ai même pas fait gaffe quand j'ai fait le jeu en 9G. En vrai, peut-être parce que j'ai même pas fait gaffe quand j'ai fait le jeu tout court. Je faisais pas gaffe au jeu tout court en fait, je pense. T'as un PC au centre météorologique. Ouais, mais c'est ce que je vais faire. Je vais évoluer l'autre Poké là. Et l'autre Pokémon là, je sais plus son nom là. Qu'on a dans le PC, Galvaran. On va le faire évoluer tout de suite. Hein. Ce Pokémon noir et blanc, j'avais monté mon Zekrom niveau 200. Il one-shot tout le monde, c'était incroyable. Ah ouais, niveau 200, ouais. Ouais, bah je pense pareil en vrai. Enfin, niveau 200, t'as dû jouer au jeu beaucoup pour y arriver, hein. Ah ouais, niveau 200, c'est chaud quand même, hein. C'est un dresseur, ça, ou pas? Oh, j'ai pas envie que... Je pense que c'est pas un dresseur, je pense que c'est un mec qui nous donne une CT. Mais pourquoi il se cache, alors, ce bouffon? Mais pourquoi il se cache? Pourquoi il se cache si c'est un bouffon? Je me suis dit, ça doit être un mec qui nous donne une CT, tu vois, genre un truc genre... La fameuse CT cache-cache, vous connaissez pas la CT cache-cache? La CT 18? La CT 18 cache-cache? Bah ouais, bah dégage, en plus tu sers à rien. Meditica vous a donné 210 expériences. Ah bah non, un peu plus quand même. Ouais, Malabars, niveau 27. Wouhou! Tu me donnes rien du tout du coup toi? Mon attaque surprise a échoué. Ouais, bah l'attaque surprise de points, c'est moi qui suis allé lui parler quand même. Hein. Non. Non, je ne veux pas t'avoir toi. Heureusement que j'ai pas de Pokémon à capturer dans cette zone, parce que ça je ne veux pas l'avoir. Hein. J'ai même plus quel type il est ce truc. Hein. Il est que plante ou il est plante normale, je sais plus. Putain, franchement les doubles types avec normal dedans, c'est vraiment l'abomination du jeu. Hein. Genre le comment il s'appelle? Le lion là de la 6ème génération qui est type normal feu, putain. Qu'est-ce que c'est éclaté genre, vraiment. Voici notre documentaire, éleveur de champions. Popov, notre éleveur passionné, ramène dans le droit chemin des Pokémon à problème. Aujourd'hui, il s'occupe d'un Limonde qui n'a pas le moral. Lili. Bon, allez, c'est bon. Ta mère, hop. Non, je voulais pas. C'est bon, je peux éteindre la télé ou pas? Non. Il me parle trop. On se calme, Antoine Covid-19, s'il te plaît. Hop. On se calme. On se calme. À dans 10 minutes. On se calme. Ah, il y a un PC ici, du coup. Stylé, en vrai. En vrai, type dragon et glace, c'est pas mal. Hein.
Alors, je pense qu'on va prendre le Pyrax, les gars. Et surtout, vous savez ce qu'on va faire? On va faire évoluer le frérot, là. Tac. On va faire comme ça. Je peux dormir pour Ulta Team. Let's go. Merci la SPAC, merci beaucoup. J'en ai des pires soleils, mon gars. Mon pote, j'en ai, hein. Bon, allez. Mon frérot, je vais essayer de deviner le Pokémon, ok? Allez. Un bon truc, pitié. Non, je sais ce que c'est. Ah, je sais ce que c'est, hein. C'est soporifique, hein. C'est soporifique ou hypnomade, mais je pense que c'est soporifique. Ou alors, c'est un autre Pokémon type si dégueulasse, là, de la deuxième génération, là. C'est soit soporifique, mais je pense que c'est soporifique. Soit un autre Pokémon dégueu, mais je suis... Ouais, voilà. Ouais, au moins, il peut encore évoluer, en vrai. Je sais plus quel niveau il évolue. Level 26, hein. Merci, la SPAC, hein, du coup. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment... Mais qui aime ce Pokémon, sans déconner? Non, mais vraiment, ça, c'est un truc... Qui aime ce Poké? Vraiment. Qui aime ce truc, quoi? Mais il a boom final, en plus! Il sert à rien! Je vais le garder dans l'équipe pour le faire évoluer très vite, en vrai. Il sert à rien, ce Poké! Bon, alors... Augmente l'attaque s'il y a un problème de statut. Et en plus, il a une nature de merde. Nature de merde, talent de merde. Bon. J'ai rêvé un peu mieux. J'ai rêvé mieux pour Pyrax, j'avoue. Par contre, il a un item. Ouais, j'ai rêvé mieux. Je vais quand même le prendre dans l'équipe, je pense, en vrai. Je vais le prendre dans l'équipe pour une seule et bonne raison. Je sais pas qui enlever, bordel. Je vais enlever Tronchodon. Je vais le prendre dans l'équipe pour une seule et bonne raison, c'est qu'il a tout parfum. Comme ça, je peux capturer plein de Pokémon. Ça reste un Pyrax. Oui, non, ça reste un Pyrax, mais bon. On passe quand même de Giratina à Soporifique, je suis pas sûr du good trade, mais mec, j'ai trop le seum pour le Giratina. La dernière fois, aussi pour ceux qui ont pas vu la fin du live la dernière fois, Giratina il s'est fait one shot hein, par Abim. Vraiment. Oh non, je dois me taper les Team Magma là. Oh merde. Bah vous savez quoi? Bah vous savez quoi? Bah je pense que c'est l'heure du Galekid en vrai, non? C'est l'heure de Galekid hein. C'est l'heure de mettre Galekid en premier pour le faire évoluer, je pense, hein. Ouais. Et Toad Shiny sont pas modifs, sinon tu peux faire Mike Pyrax. C'est pas modif, je crois. Je crois que c'est pareil. Le jeu est gentil, il te laisse choisir celui que tu veux affronter. Bah écoute, j'ai choisi celui du bas, moi. On va voir. Tilton, j'ai bien fait. Tilton contre Galeking, je pense que... Galekid, je pense que je peux le faire. Méga Altaria, les gars. Eh, hey, avis sur Méga Altaria. Oh non. 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 Alors, pas toi. Non, toi... Toi, j'étais déjà... Je me souviens de toi, je me souviens. Je me souviens de ce que tu m'as déjà fait, en fait. Je m'en souviens déjà, mon pote, je m'en souviens. Non, non, je me souviens de ce talent de merde. Non, 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 non. Je me souviens de ce talent. Je me souviens, c'est à cause de ça que j'ai perdu mon banger la première fois. Je m'en souviens. C'est quoi l'horaire des lives? 19h minuit tous les jours, Shawa. Regarde, j'ai mis le planning sur Discord, si tu veux. Ou alors, tu as juste à cliquer dans l'onglet programme de ma chaîne Twitch... Tu cliques sur mon pseudo, puis tu vas dans l'onglet programme et tu as tous les lives de prévu cette semaine qui sont déjà mis. Ou sinon, tu fais point d'exclamation planning dans le chat avec deux N. Et t'as une petite image qui t'explique tout. Regarde, je l'écris. Voilà, bah hop. Voilà, tu vois, regarde. Planning du mardi 19 au dimanche 24 mars. T'as juste à... Merde. T'as juste à cliquer sur le lien. Galekid évolue niveau 32, donc dans un niveau, littéralement. Que je le tue ou pas là? Ah, je vais le tuer, c'est bon. Lunatique? Ah bah c'est bien pour moi ça. Ah ça c'est très très bien pour moi. Sympa le éclatroc qui OS un tilton. Ça va, ça tape pas fort ton tank. Ouais mais bon. Ah ouais, ça fait de l'XP au moins, c'est bien. Ça fait de l'XP. Niveau 40 pour lui. Mais hé, les gars, moi je vous dis, Frigot il va aller jusqu'au bout, les gars. C'est lui qui va nous apporter la victoire. C'est lui qui va aller jusqu'au bout. Bon, j'enlève le miroir, hein. J'ai que des bonnes attaques là. C'est quoi le talent du Pyrax? J'ai pas pu voir. Cran. Pas ouf. Merci à Kwaepe pour les 45 mois de sub. Cran, c'est un talent malheureusement très mauvais sur Pyrax, parce que ça augmente son attaque alors que c'est un Pokémon qui se joue attaque spéciale, donc c'est très mauvais.
Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi j'ai des sous-titres alors que c'est enlevé? Parce que ça revient à chaque live, il faut que tu les réenlèves. Tu cliques sur le bouton CC et voilà. Oh, il a mis une claque! Lui a mis une claque! Il a mis une baffe! Wouah, la violence! Pokémon promeut la violence, hein, c'est abusé. Pokémon promeut la violence comme ça en fait. Hein. Ouais, il y a beaucoup de LG parce que vu qu'après on va plus trop en faire. On est la team magma et les objets rares, c'est notre dada. On est toujours là quand il y a un truc exceptionnel. Et on a des Pokémon de merde aussi. Genre par exemple celui qui va m'envoyer là. Peut-être pas en fait. Merci Godilan. Il faut que tu penses en fait à chaque fois que tu reviens sur le live à enlever en fait les sous-titres. Ouais, c'est un peu mal fait mais bon écoute. Hein. On peut pas faire grand chose. Hein. Bah on se casse hein. Comment ça plus faire de LG? Bah en fait, vu qu'il va y avoir le mois d'entraînement Zilan dans pas longtemps là, puisque Zerator annonce les jeux de la Zilan. Oh non. Oh non. Oh non. Ça va. Ça va. Ça va. Ça. Ça va. Ça va et en même temps ça va pas trop en fait. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va feu follet déjà. Hein. Hop, allez. On va feu follet déjà comme ça, hop. Tête de fer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est hop. Voilà, ça diminue son attaque par deux, c'est parfait. Putain, mais Lunatic c'est trop chiant. Lunatic c'est trop chiant comme attaque. Enfin, comme talent. Non, je vais garder mes hyper potions, je vais utiliser super potions. Lunatic c'est trop chiant. Et du coup ouais, vu qu'il va y avoir le mois d'entraînement Zilan dans pas longtemps, bah je suis obligé d'en faire plein maintenant parce qu'après on pourra moins en faire. Ok, 5 HP ça va. Augmente, baisse ta défense s'il te plaît, baisse ta défense. Explode lui. Aïe aïe aïe, il baisse son attaque, il va faire 0 dégâts, ouais. En fait c'est marrant Lunatic comme talent. C'est marrant, ça irait bien avec notre Nuzlocke je trouve d'avoir un Pokémon qui a Lunatic hein, en vrai. Ça irait bien. Ça irait bien parce que c'est vraiment random comme talent je trouve. Hein. Hop. Et niveau 31. Trop aléatoire. Mais justement c'est ça qui est cool. Parce que c'est complètement random. Oh merci Matsuki, c'est gentil. Ton concept UHCLG c'est du génie. Ah c'est pas moi qui l'ai inventé mais bon. J'étais là dès le début mais c'est pas moi qui ai eu l'idée précise. Mais par contre j'ai apporté beaucoup de nouveautés sur ça. Ouais par contre. Ça ouais. Et on essaie comme d'hab d'apporter toujours des petites nouveautés dessus quoi. On a beaucoup travaillé sur ce mode de jeu pendant très longtemps donc content de lire ce message Matsuki en tout cas, ça fait plaisir. Et bah ce soir il y en a un d'ailleurs en live si tu veux. Voilà. Merci Bad Freeze Roy. Et merci le débutant. C'est Trox, c'est ça. Ouais en gros c'était l'histoire de base. C'est Trox qui voulait refaire un sorte de loup-garou sur Minecraft et il en a parlé à Lapin. Il y avait Skillnez aussi à l'époque que vous connaissez peut-être de nom. Et en fait c'est tous ces gens là qui ont créé le LG en fait. Et c'est Lapin qui surtout est à la base de ça quoi. Et après quand moi je suis arrivé dès la saison 2, bah, j'ai apporté toutes les nouveautés qu'il y a maintenant, etc. La plupart des rôles, c'est moi qui les ai inventés avec Lapin et voilà. Et au final en fait il n'y a que moi et Lapin qui avons bossé dessus après quoi. On n'a juste pas eu l'idée de base du truc mais toute la suite c'est nous quoi. Voilà. Merci le débutant en tout cas. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Skillnez c'est si vieux comme nom. Ouais, ouais, de fou hein. Skillnez c'est vieux hein, comme nom. Hein. Ah de fou mec hein. Salut Endemos, bonjour. Bonsoir, pardon, ah bonjour, il est tard pour dire bonjour là. On n'a pas un endroit pour dodo là en vrai. Ah mais je peux la skip elle, let's go mec. Alors ça vous voyez, comment se faire plaisir, skip les dresseurs. Allez hop, comment tu fais pour faire des Nuzlocke sur Pokémon? J'ai modifié la ROM grâce à un logiciel qui s'appelle Universal Pokémon Randomizer. Et après j'utilise un émulateur et je mets mes propres règles directement, voilà. Comme ça tu sais. Bon alors, Kimberly là. Oh là 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 là. Merci Papa Fennec pour le prime. Le pseudo me régale, merci beaucoup. Oh putain. Régirock, bon ça commence bien. Alors. Oh. Alors il est niveau 38 et il a le talent de Kyogre. Surtout, est-ce qu'il a pas explosion ce machin? Ouais, à 21h, 21h15 à peu près, dans une heure. Le nom du randomizer, c'est Pokérando ZX. De quoi tu parles, de quoi? Tu parles de quoi, j'ai pas compris.
Zoro a le talent fermeté. Non, pas du tout. Non, il a Call of Force. Du coup, il tape plus fort. Mais en vrai, contre Regirock, j'ai un peu peur de tenter, quoi. Putain, mais les gars, avec la pluie qui tombe sur l'écran tactile, j'ai cru que c'était genre mon écran qui avait une saleté, mais en fait, non. Qu'est-ce que je fais, là? Éclatroc? Ok. Ok. Il m'a enlevé mon stab. Je vais éclatroc, je pense, hein. Oh non. Oh là 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 là. C'est possible de modifier direct sur la DS. Hein. Faut que tu modifies la ROM direct ou alors faut que tu achètes un action replay. Mais bon, bon courage. Hein. Mais il me dépasse, non? Oh merde. Oh bah il est mort. Je suis trop con, la vie de ma mère, je suis trop con. Putain, je suis trop con. Je pensais que je le dépassais, je suis trop con. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait de la merde. Je suis trop con, je pensais qu'il me dépassait en fait. Enfin, je pensais que je le dépassais, je suis trop un abruti, excusez-moi. J'étais pas concentré sur le combat en fait, j'étais en train de réfléchir à l'histoire des action replay là et j'étais pas concentré. My bad. En vrai, c'est pas perdu. Tu fais avec qui le LG sub? Avec les subs. En vrai, je me tâte à faire marteau bois direct en vrai. Piétis sol. Oh putain. Je suis mort. Ciao. Oh là là, mais faut qu'il ait piétis sol ce machin. Mais c'est une folie. Oh, il fallait qu'il ait un truc qui me one shot. Oh là 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 là. Bon, feu follet. C'est pas fini. Double F, hein. Ouais. Mauvais match-up. Non mais en vrai j'ai pas eu de chance sur l'attaque. Hein. Fallait qu'il ait piéti sol quoi. En vrai je suis deck parce que j'ai fait toutes les attaques sauf la bonne quand même. Hein. Mais bon, normalement ça ira là je pense, ça va le faire. Situation de crise, non ça va, vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. On a perdu Frigoat mais bon ça fait chier quoi, mais bon. Merci Splash sur Twitch. Mais après j'en ai plein des pokés dans le PC, hein, c'est pas grave. Hein. Honnêtement hein, ça va. Hein. Par contre ouais Zoro du coup, oh, putain en plus à un niveau de son évolution quoi, je suis dégoûté en vrai. Un niveau de son évolution, mec. Un level. Imagine. Hein. Par contre, j'ai plus de PP là hein, pour explonuer. Hein. Allez, ciao. Bon, bah, va falloir que Mega Branette il carry. Putain, 2122 points d'XP, mec. S'il avait eu ça, le Galekid, il aurait tellement évolué. Il était incroyable ce jeu. Il est incroyable ce jeu, j'adore. Hein. Il reste 3 Pokémon. Ouais, mais ça ira. Merci, donateur anonyme. Sub gift à Zoran. Ok, lui, ça va. Allez, ça dégage. One shot. Hop. Ça one shot. On en parle plus. Quoi? Il y a une bestie truce en plus. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas vu. Oh, ça va. Ça va. Ça va faire zéro dégâts. Il y a peut-être un peu de level d'avance. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, je voulais qu'il rate. Parfait. C'est bon. On était pas très loin de mon niveau. Mais oui, je suis dégoûté. En plus, à tout moment, on aurait eu un truc fort. Je suis deg. Ça va. Ok. Lugulabra. Ça dégage. J'adore ce Pokémon, les gars. J'adore ce Pokémon. Voilà, j'adore Lugulabra. Dégage-moi ça, là. Allez, vite. Niveau 38, en plus. J'espère qu'il a pas un Pokémon Spectre en dernier. Ah bon? Ah bon? Ah ouais? Je pense que l'XP est un réel problème. Ouais. Ok. Ça rate. Hein. Non mais... Oh mais il me dépasse en plus le bâtard. Hein. Heureusement qu'il peut rater. Hein. Si je me prends un crit, je ferme le jeu. Ouais, je vous le dis. Oh non. Oh quoi? Non. Tu le... Pitié. Paralyse-le, j'ai pas fait un truc. Non, je suis dans la merde. Oh, je suis dans une sauce, putain. Alors attends. En vrai... Alors je suis dans une sauce là. Oh, il m'a baissé ma défense spéciale, je suis dans une sauce. Oh là 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 là, on est dans une sauce. Oh putain, j'aurais dû rester. Chier. Ah, c'est une folie, en vrai, j'aurais pu rester, quoi. Oh, il a raté deux fois, mec. En vrai, je le suis, vas-y. Lumino canon. Ça me tue pas, en vrai, ça me tue pas.
Bah bien sûr que non, ça me tue pas. Voilà, bien sûr que non. Allez, dégage, 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 dégage. Allez, c'est bon. Débarrasse le plancher là. Niveau 38, j'ai 11 levels de moins. 11 levels de moins, les gars. On fait avec. C'est bon. Mucuscule. Type dragon. Normalement, ça va en vrai. Il a fermeté du coup ? Ah, mais du coup, quand il est méga branette, il récupère fermeté. Mais c'est exceptionnel, mec. Hein. Oh, mais c'est exceptionnel. Ok, méga branette, c'est trop fort. Méga branette, c'est beaucoup trop fort. Méga branlette, là, il est incroyable. Il m'a fait vivre à quoi ? Ok, par contre, j'ai perdu mon type O du coup. Hein. Il m'avait fait passer type O, non ? Je crois tout à l'heure. Oh, j'ai plus d'explo nuit. Oh non, ça fait chier. Bah, dernier mot. Allez hop. Ciao. Je sais ce qu'on va faire. Regardez, hop. Hop, au revoir. Méga quoi ? Méga branette, j'ai dit. Si vous entendez autre chose, c'est votre cerveau. C'est votre cerveau qui vous fait penser le contraire. Oh non, j'aurais pas dû mettre lui, je crois. Ce qui va me faire vivre à quoi ? Fulmigraine. Mais lui aussi, il a fulmigraine, ce fils de. Chien. Là, faut que je me barre, hein, parce qu'il a vibré à quoi ? Mais lui aussi, il a fulmigraine, c'est pas possible ! La vanne depuis 3 streams me régale. Mais non, mais je sais pas pourquoi les gens ils entendent autre chose que ce que je dis, quoi. What the fuck, mec ? Et faut les oreilles, ça se lave, hein. What the fuck, t'as perdu Giratina. Ouais, ouais, il s'est fait one shot par un abîme. Voilà, pas de vanne. Abîme. Abîme, mon pote. Non, j'ai mis ce clic, sa mère, parce que le jeu est mal foutu. Le jeu est mal fait. Et tank-le, je t'en supplie, Rumuru. Tank-le. C'est bon, large. Non, putain. Ah ah, tu rates, espèce de nulos. Bon là, les gars, franchement, je préfère honnêtement perdre Pyrax que perdre l'autre. Je le dis. Je pense que Pyrax est mort. C'est tout ? Il fait rien ? Comment il me fait rien, mec ? En fait, Pyrax est trop fort, j'ai rien dit. On va y arriver, hein. Je galère un peu, mais on va y arriver, promis. Hein. On va y arriver. De toute façon, je suis en train de me dire, même si j'avais pas perdu Frigoat, il m'aurait servi à rien dans ce combat parce qu'il y avait que des Poké Spectre, donc il m'aurait servi à que dalle. Putain, mais je vais devoir le tuer à coup de étincelle là, vraiment, c'est ça qui va se passer. En vrai, on va le brûler tout de suite, comme ça on n'en parle plus là, hop. Pyrax a 100 de défense, mais Pyrax c'est vraiment fort, c'est juste son type défensivement qui est pas fou, ok, ouais. Ah bah ouais, je me barre. Pyrax, ça s'est tanky sur le spécial, mais c'est une chip sur le physique, même sans papier aux dents, ça. Ouais, bah ouais, je me doute, hein. Après, attends, Malabarz, il a quoi comme attaque, hein? J'ai tricherie, j'ai toile gluante. Toile gluante, c'est vraiment fort, en vrai, hein. Putain, s'il évolue en un bon truc, mec, je lead avec lui, je mets toile gluante au début, là. Et en vrai, ça fait le taf, hein. Après, bon, il a que des attaques de merde. En fait, sur le type dragon, j'ai rien, quoi. J'ai rien pour passer le type dragon, là. Si, en vrai, j'ai un truc pour passer le type dragon. Mais bon, avec... Ouais, bon, je sais pas si j'ai envie de mettre soporifique, en vrai. Hein. Je vais pas vous mentir, ouais. Je sais pas si j'ai vraiment envie de le mettre, hein. On va pas se mentir, hein. Ok, fumigraine. Fais voir les dégâts, en vrai, sur lui, avec double résistance. Hein. Ça va faire 2 HP, quoi. Ouais, voilà, ça fait rien. En vrai, je pense que je vais le laisser mourir au fur et à mesure du... Ah, mais là ça fait chier en fait. Je vais le laisser mourir au fur et à mesure du... Est-ce que je suis pas mort là? Attends, je viens de capter, mais je suis pas mort là avec Pyrax là? Pyrax est mort non? Là. Ce qui va me faire vibrer à quoi? Je vais mourir là non? À cause du... Aromathérapie! Oh putain! Il a plus de vie... Qu'est-ce qu'il a fait? Oh! Mec, je crois que j'ai une chatte monstrueuse. Alors attends. Parce que là il va me faire vibrer à quoi? Mais est-ce qu'il me tue si je prends le vibrer à quoi sur l'autre hein? T'as survécu tout à l'heure. Ouais, mais il m'a baissé de 2 fois. Détritus, lui, la tronche. Mais après, Détritus, c'est de la merde, non? Surtout, moi, j'ai peur qu'il... J'ai peur que je meure, en fait, là, non? 65. Vous voulez que je tente un Détritus? Attendez, avant de tenter un Détritus, vous savez ce qu'on fait? On va se heal sur l'autre, là. Hop. Bah, heal Rimuru. Merci, Bobby. Là, je vais prendre Vibraco dans la gueule. Là, ça va faire mal, hein. Ça va. Ça va en vrai. Ça va, ça va. Il me tue pas. Mais je suis obligé de switcher par contre.
Détritus sera plus puissant qu'Electac là. Ouais, pas faux. On va y arriver, hein, on va y arriver. Hein. Voilà, là il me fait rien. Il manquait que ça. Il manquait que ça. Il manquait que ça. Il manquait que ça. Hein? Ouais. Il a plus de. Il a que vibre à quoi maintenant? Merci Nabo. Merci beaucoup. Il manquait que ça. En fait, fais voir étincelle pour voir les dégâts vite fait. Refais dernier mot, puis envoie le soporifique pour éclat magique. Hein. Attends, parce qu'en vrai, j'en aurais peut-être même pas besoin. Ok, il se reguérit. Quand tu changes de poké, les augmentations et réductions de stats sont reset. Ouais! Je sais, ouais. C'est pour ça justement que je switch depuis tout à l'heure. A chaque fois que j'ai une baisse, je re-switch exprès. Parce que sinon, évidemment, je serais mort depuis bien longtemps. Hein. Si un Pokémon n'a plus de PP, ça fait quoi? S'il a plus du tout de PP, il lance une attaque qui s'appelle Lutte. Et qui en fait fait très peu de dégâts, enfin fait des dégâts, mais surtout nous inflige à nous, au lanceur, un nombre de dégâts hallucinant. Ce qui fait que tu meurs en 3 tours. Mais normalement, j'ai gagné là, c'est bon. Sauf si je rate mon attaque. Mais bon, j'ai gagné, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. En vrai, c'est un peu triste hein, d'avoir galéré sur ce combat. Hein. C'est un peu triste. Hein. C'est un peu triste d'avoir perdu sur ce combat, mais bon. Merci Nabo, du coup, merci Bobby. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, bah écoutez, Frigo, t'es mort. Putain, fais chier. Bah, je vais peut-être prendre la tiasse, hein, finalement. Je vais peut-être prendre la tiasse, finalement. C'était pas prévu, mais. Ah, elle... Voilà. Finalement, voilà, Latios, bonjour à tous. J'espère que ça va ou quoi. Ah, il va me donner qui? Il va me donner Morpheo? Ah, mais il va me donner Morpheo. Oui, bon, je lis pas le dialogue, hein, désolé, mais il va me donner un Morpheo. Salut Lucas, ça va ou quoi? Étincelle fait plus de dégâts que Explode Nuit. Ouais. Ouais, pour le coup, ouais. Oui, parce qu'il a une bonne... Ouais, parce qu'il a plus d'attaque, hein. Quoique, en vrai, je pense que ça se vaut, en fait, ça dépend du Pokémon, hein. 65, 85, aucun des deux n'est stabé. En vrai, je pense que ça se vaut, en vrai. Hein. J'ai que 10 de différence entre mon attaque et ma défense, mon attaque spé. En vrai, je pense que ça se vaut, ça dépend du Pokémon en face, en fait. Hein. Je pense, hein. Mega Barnett, il a 165 à 4. Ah, il a beaucoup plus d'attaque. Ah, bah ok, bah oui, bah, j'ai rien dit alors. Bah oui, étincelle, du coup, c'est beaucoup plus. Bah ouais, Zorod, on verra jamais ton évolution. En vrai, putain, j'aimerais, en vrai, j'ai envie de savoir c'est quoi son évolution. Est-ce qu'on s'autorise à le garder juste pour voir son évolution? Attends, il évolue dans... Mec, 245, attendez. Je le fais évoluer, mais de toute façon, il est mort, je le mets au PC. Juste, je le fais évoluer. Ok, juste pour qu'on ait bien le seum, d'accord? Attendez. Juste pour qu'on ait bien le seum et qu'on regarde ce qu'il avait, ok? Vas-y. Je regarde juste son évolution et je le fous dans le PC, parce qu'il faut pas déconner. Oh, c'est bien ça. Bien comme Pokémon, ça. Et là, Rayquaza. Mec, j'ai trop le seum, c'est ça. Je vais être dégoûté, je le sens. Je vais être dégoûté. Je sais que je vais être dégoûté. Je le sais en fait. Non mais ça y est, mais fais frère. Comment ça tu t'endors hein? Comment ça tu t'endors hein? On est en quelle année pour Dodo? Merci à Random, c'est l'un des seuls Pokémon auxquels j'ai joué. Tu y joues, il est incroyable ce Pokémon. J'adore. Hein. Bon après moi c'est un peu le bordel mon jeu, hein, on va pas se mentir. Hein. On peut jouer ou... Ah bah merci. On va voir quel Pokémon ça va être. On va bien rigoler les gars. Allez. Soit un Pokémon OP, soit un Rattata éclaté. Fais voir. Putain, je suis dégoûté mec. 242 points d'XP, il évoluait. Et il est mort juste avant, vraiment. Ah si, j'essaie quand même de deviner. J'essaie quand même de deviner le Poké. Et après, je le fous dans le PC parce qu'il est mort. Oh non. Oh non. Oh, je sais ce que c'est. Merci Alphabet. Il est mort. Il est mort, les gars. Il est mort. Récolte permet de réutiliser une baie plusieurs fois. Oh, les stats de fou malade qu'il y avait en plus. De toute façon, je l'ai déjà. Hein. En vrai, je l'ai déjà. Le jeu se fout de ma gueule. Hein. Ouais. En vrai, c'est bien MDR. Bah, c'est un légendaire, quoi. Mais bon, il est mort. Allez. Il est mort. Et voilà. Dire qu'un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps est limite meilleur que certains jeux actuels. Ah bah oui, bah après ce jeu, il est incroyable, celui-là. Alors, qui est mort aussi? Frigoat, hein. Enfin, il y a eu tellement de morts, mec. C'est une folie, en vrai. Bon, alors, qui on prend dans le PC, là? Déjà, je vais récupérer mes items, après. Qui on peut prendre? On va récupérer le tronchodon, je pense.
Franchement, je me tâte à utiliser Latias, hein, enfin Latios, hein. Franchement, il est là, Diancy, il est encore en vie. Il est encore en vie. J'ai rien qui peut évoluer dans le PC, là, on est d'accord. Hein. J'ai rien qui peut évoluer, à part le Kabuto éventuellement, qui peut évoluer après. Je me tâte à prendre le Latios, hein, vraiment, je vous jure. Après, j'ai mon Giratina, il est mort, donc comme ça, je peux prendre Latios. Hein. Même si moi, je suis plus fan de Latias que Latios, voilà, je le dis. Je prends qui, les gars? Oublie pas Morpheo. Ah ouais, je vais chercher Morpheo, vous avez raison. Vous avez raison. Parce qu'à tout moment, il me donne un Poké random. De toute façon, dans tous les cas, j'aurais pas le droit d'utiliser son Pokémon. Hein, parce que malheureusement, j'ai déjà eu un Pokémon sur cette route. Donc malheureusement, j'aurais pas le droit d'utiliser. Tant pis. Merci Bizarre, Bizarre, merci beaucoup. Pourquoi je reçois pas les notifs des lives? Ouais. Je sais pas, mon ami. Mais en vrai, moi, je te conseille, tu sais quoi, le Lilou? Tu devrais activer les notifications sur Discord. Il y a un channel sur Discord si ça vous intéresse. Vous allez dans le channel notif, hein, je crois que ça s'appelle, ou je sais plus. Mais en tout cas, il y a un channel où vous pouvez, bah, là-bas directement, activer les notifications des lives. Et en fait, ça vous enverra une notif Discord quand je suis en live. Ouais, j'aimerais bien, Ikiraton. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Bon, allez, fais voir un peu vite fait. Le Morpheo est pas sur la route, mais dans le bâtiment. Ah ouais? Je crois que c'est la même, je crois que c'est le même truc, mec. Ouais, on est sur la route là. Hein. On est sur la route. Hein. On est sur la route, je pense. Ça, je vais regarder. Mais si je sors et que je rentre, à mon avis, on est encore sur la route. Hein. Fais voir. Ouais, c'est la même route. C'est la même route. Allez, c'est ciao. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire à ce Morpheo ou pas? Vérifie dans la fiche du Poké. Ouais, je vais vérifier, mais je pense que j'aurais écrit route, route 119. Ouais, route 119. Vous avez quelque chose à lui dire ou pas? Oh, attendez. Objet. Prendre le mystique. Hop. So long. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Bah, en vrai, vous savez quoi? Bah, on prend personne. On prend personne et on prendra le prochain Pokémon de la prochaine route. Voilà. Ou de la prochaine ville. Ça dépend des règles que tu te donnes, mais les Pokémon donnés en Nuzlocke comptent pas pour la... Non, moi, en vrai, je l'utilise pas. En vrai. J'ai trop de Pokémon, en vrai, dans le PC. C'est bon. J'en ai trop, mec. Encore, si j'en avais deux, tu vois, pourquoi pas. Mais j'en ai tellement, mec. C'est bon. Oh, non. Oh, c'est ciao. Oh, non, mais tu me duelles pas. Non. Non, non. Non, c'est finito. Je savais pas qu'il allait me duel maintenant. En plus, j'ai que 5 Pokémon, putain. Mais en fait, je connais pas le jeu. Je connais pas le jeu, Tristan. Togepi, ça va. Je connais pas le jeu. Qu'est-ce que j'ai raté? Bah écoute, j'ai perdu deux Poké. J'ai perdu Frigoth. Merci, Tenshikiro. Merci, oui, je passe une bonne soirée, ouais, t'inquiète. Ah, mais attendez, en vrai, c'est pas grave. On va taper Étincelle, mon pote. Non, ça va aller, ça va aller. J'ai Rimuru, méga Rimuru. Et ouais, Frigoth, il est mort. Hein. Mais en plus, c'est ma faute. Hein. Il est mort par ma faute. Parce que j'étais en train de lire le chat, j'étais pas concentré et j'ai fait de la merde. Ah, c'est vrai qu'il a cette attaque, lui. Thomas, le entrepreneur. Hein. Merci, Tenshikiro, du coup. Merci beaucoup. Je vous rappelle, dans une petite demi-heure, on va faire le LG, d'accord? 21h15, par là, j'ai écrit ça sur le truc. Voilà. 21h15, on part faire le LG, donc... Tout rapide, c'est excessivement nul, hein, donc non. Ah, ça, c'est un peu mieux, quand même. C'est un peu mieux, mais bon. Bon, après, c'est 85 de précision. Hein. Bon, en vrai, je vais garder ce que j'ai. Ouais, c'est bon. Hop. Oh. 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 Préscience. Ok, il faudra que je pense à switcher. Allez, meurs. Meurs direct, mon pote. Ok, pas du tout. Oh oui. Ouais, je pense. Je pense qu'il fout. Je pense qu'il change, ouais. Normalement il change à chaque combat, ouais. Ok, il est mort, normalement j'ai encore un tour avant de prendre le Préscience. Ouais, il y a un LG après Tenshikiro, tout à fait, ouais. Merci Scaro pour le Prime, je retourne à mes candidatures de Master, je garde le live en fond. Merci Alphabet, t'inquiète, on va tenter de pas trop crever quoi. Oh, oh. OMG. En vrai j'enlève Explonu, non? En vrai les gars. En vrai, Dracogriffe, hein. J'enlève Explonu, je pense. Ouais, j'enlève, je pense. Ou j'enlève Étincelle au choix. Qu'est-ce que je fais? J'enlève Étincelle ou j'enlève Explonu? En vrai, Explonu, ça peut être pas mal hein, pour un Pokémon Spectre. Hein. Qu'est-ce que j'enlève hein.
Les attaques sont pas random. Si, justement. Dernier mot, ça te sert vraiment. En vrai, dernier mot, c'est pas mal quand même. Hein. Dernier mot, c'est pas mal, hein, je vous jure. Hein. J'ai enlevé étincelle. Hein. Je vais enlever étincelle, au pire, je le rapprendrai, c'est pas grave. Marisson. Ok, Marisson. Alors là, le problème, c'est que là, je vais prendre le Prescience. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me heal, hein, je pense. Que normalement, je devrais le tanker. Alors, Explonus, c'est plus intéressant. Bah, oh, ouais, en fait, là, dans le coup, sur le coup, Explonus, c'est intéressant ici, là. Oh non! Oh merde! Ok, ça va. Après c'est pas grave, au pire si jamais étincelle était utile je le reprendrai hein, si jamais c'est pas grave. Hein. Franchement hein, c'est pas très grave. Hein. Si jamais étincelle est plus utile j'irai le réapprendre, j'ai des écailles cœur en plus. Hein. J'ai eu des écailles cœur donc c'est bon. C'est bon, vous inquiétez pas. Allez hop, Draco Griff ça dégage. Ouais, dernier mot c'est très fort en fait. Dernier mot c'est su... Oh non putain. Dernier mot en fait, ce qui est cool c'est que ça me permet de switcher. Dès que je suis dans la merde, je switch, mais en lui baissant ses statistiques, donc c'est bien. Allez, meurs. Il a refait pression, ça. Ouais, mais là, c'est bon, je vais rien prendre, là, c'est bon. Regarde, hop. Oh, en plus, c'est Marisson, c'est bon. Encore, ça aurait été Xatu, comme tout à l'heure, c'est bon. Voilà, allez, ciao. Ah bah, c'est sûr qu'en aventure lambda, fantasy, ça sert à rien. Mais je pense qu'en Nuzlocke, c'est pas mal, quand même. Sonistrel, c'est... type dragon, non? Non? Bah, merci vendeur de bananes, c'est gentil. Alors attends, ça c'est quel type ça déjà? Putain, fulguris, hein. Feu follé. Feu ensorcelé. Ça va. Dragon vol. Électrique vol, ça? Ok. En vrai, je le brûle. On va essayer de le tuer en brûlant. Je vais voir ce qu'il a comme attaque à part ça. Fait ensorceler. Vol électrique. Ok. Il me baisse quoi comme attaque? L'attaque spéciale. M'en fous, je tape que sur de l'attaque. Coup critique, ok. Ok. On va utiliser un tour pour ce heal. Ouais, heureusement qu'il pleut, hein. Ouais, c'est vrai que s'il pleuvait pas, je prendrais plus cher. Hein. Parfait. Ben voilà. Eh ben, hey. Parfait. Ça fait le taf tout seul, mec, regarde. Eh. Hey. Moi, j'en étais sûr que Mega Branette, il allait nous servir à quelque chose. Quand j'allais le récupérer, j'étais sûr. Hein. Et le monsieur, pour un petit combat, il a pris un dieu. Mais quoi? Mais attends, c'est une folie. Bon, en vrai, attends. En vrai, ça peut le faire. Hein. Dépit. Mec, il nous... Non, mais c'est abusé, en vrai. Vas-y, en vrai, fais du dégât, vas-y. Midlife au moins, s'il te plaît. Ok. En vrai, sauf si one shot. Dépit, mais c'est bon, j'ai gagné, c'est bon. C'est bon. Draco griffe dans sa mère, c'est gagné. C'est bon. Il a pas attaqué une seule fois, il a fait que dépit. Allez, ciao. Heureusement qu'il y a vraiment la pluie, je te jure. Bon, après, les attaques sont random, donc bon. Hein. Bon, mec, en vrai, là, ça m'a mis très, très, très bien. J'ai gagné tellement d'XP avec lui. Franchement, en vrai, il a rattrapé tout son retard en un combat en termes d'XP. Rimuru, vraiment, hein. Je te jure, vraiment, il a tout rattrapé. Il avait hyper du retard et là, il est remonté niveau 36 d'un coup. C'est parfait. Merci Domineur. OMG! Ok. Alors. Merci Domineur pour mon anime. C'est moi qui fais un cadeau. Les streams sont trop bien. Continue. Merci Domineur, c'est gentil. OMG! On essaie de deviner le poké. Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais alors. Vous savez ce qu'on va faire? Ah merde, il veut apprendre une capacité. Merde, c'est quoi? Bon bah vas-y, je regarde. Oh! En vrai, c'est pas trop mal en vrai. Attends, il est révolu quand lui? Oh oui! Oh oui, merci. Il évolue quand la citrouille? Hein. Ah, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Y a de quoi avoir un truc bien. Il évolue quel niveau? Échange? Ouais, c'est pas échange alors. C'est niveau 40, je pense. Ça doit être niveau 40. Inconscient, ignore les changements de stade de l'ennemi. Pas mal ça en vrai.
Ouais, je pense à un prochain level, à mon avis ça va être niveau 40, hein, je pense. Ça a été changé, ça va être level 40. Non, pas les ninjas, c'est bon. Hein. Y'a pas un endroit où on peut avoir des hautes herbes, les gars, en vrai, comme ça, j'utilise Pyrax qui fait sa petite attaque là et on est bon. Ah, Simtronel, ah là là, Simtronel. Quelle bonne vie là. De base, Polarum évolue pas niveau 37. Ouais, mais ça a été changé. En fait, les grosses évolutions ont été réduites dans le jeu, en gros. Voilà. Les grosses évolutions ont été réduites pour que ça évolue plus vite, parce que sinon on se fait chier, quoi. S'il faut attendre niveau 50, on en peut plus, quoi. Tac, 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 tac. Du coup, Malabarz, tu es devenu une petite citrouille, quoi. Bon, faut que je me barre, je sais ce qu'il faut que je fasse, les gars. Il faut que j'aille à la prochaine ville. Enfin, à la ville d'après. Ce Pokémon semble être sur la route 120. En fait, il faut que j'aille après parce que je crois qu'il y a un Kecleon qui bloque la route, je crois. Donc du coup, il y a un Kecleon qui bloque l'arène, donc il faut que j'aille sur cette truc. Donc c'est très bien parce que ce qu'on va faire là maintenant tout de suite, c'est qu'on va capturer un Pokémon tout de suite là. Non. Ne te tourne pas. Ok, c'est bon. On va capturer un Pokémon dès qu'on en a la possibilité. Genre ici. On fait ça. Doux parfum. Et ce titre en dessous, c'est pour me tuer, aucun rapport avec ce que tu dis. Ah ouais? Doux parfum. Alors, petit Pokémon de zone là? Alors, hein. Je pensais pas me retrouver face à 5 méga Latias. Mais ok. Ok, d'accord. On s'autorise à le capturer du coup ou qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est un méga, hein. On avait dit qu'on prenait plus de méga, qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire un poll dans le chat. Je vais faire un poll. Hop, voilà, vous savez quoi? Je vous fais un poll, c'est vous qui votez. Votez, j'ai fait un sondage, votez. Voilà, c'est un poké de zone, mais est-ce que... Voilà, est-ce que... Qu'est-ce que je fais? Déjà, je l'ai tué déjà. Hop, voilà. Bonjour tout le monde. Attendez, pourquoi j'arrive et je vois ça? Accupression! Limite capture et relance dans l'équipe pour qu'il soit pas méga. Ouais. Après on avait dit qu'on prenait pas les mégas, donc en vrai... On avait dit qu'on prenait pas les mégas en vrai. Je pense que je vais capturer le prochain, je pense. Oui c'est vrai, il faut que je prenne des potions et des pokéballs surtout. Ah bah de toute façon j'ai pas de pokéball les gars. Non mais je vais prendre le prochain, je pense. Les gars on a déjà Latios en vrai. On a déjà Latios, je vais prendre le prochain. Je vais prendre le prochain, c'est bon. J'attends même pas la fin en fait. Non, je vais enlever engorgement. Hop. Non, je vais prendre le prochain, les gars. En vrai, je sais, vous avez tous voté pour on le prend, mais je vais prendre le prochain parce que. On a déjà Latios dans l'équipe. En vrai, avoir Latias et Latios, ça fait beaucoup, je pense. Ouais, ça va être no fun. En vrai, j'ai pas envie d'avoir une team que de légendaires. Hein. Je vais prendre le prochain, je vais me barrer, je vais prendre le prochain. Au pire, à tout moment, mec, on a rodé Latias, hein. Mais attendez, vous savez quoi? Je vais en profiter, je vais aller acheter des trucs. Hein. C'est quoi ce bruit là? C'est quoi ce poké qui fait ce bruit là? Vous pouvez me dire c'est quoi le poké là qui fait ce bruit? Ça me dit un truc, genre c'est pas un truc type... T'as zéro légendaire de quoi tu parles? Ah bah toi ça se voit que t'as pas regardé mon PC toi. Hein. J'ai Latios. J'ai... comment il s'appelle? Mega Diancy. Bon, voilà hein. Je crois que j'en ai un autre en plus. C'est Floette. Ouais, il y a Latios. Bah j'ai Mega Diancy aussi hein. Et avant j'avais Giratina donc bon... Voilà, regarde. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, j'ai Mega Diancy, j'ai Latios, hein. Et j'ai Victini, Jirachi aussi, j'avais oublié, j'ai Jirachi aussi. J'ai 3 légendaires là. Donc bon, si à un moment donné je veux me faire une team no fun, je prends les 3 légendaires dans mon équipe. Hein. Ça fait beaucoup quand même d'en prendre plus. Hein. Moi je pense qu'on se limite à 3 légendaires en même temps. Hein. Autant s'il y en a un qui meurt, je dis pas, tu vois. Mais en vrai, ça fait beaucoup là, je pense. Ça fait beaucoup. Je préfère pas le prendre, en vrai, ça fait beaucoup trop. Si je peux m'éviter d'avoir des hauts, tu fais honte à la communauté Nuzlocke dans les commentaires. Si je peux éviter d'avoir ça, bon, hein. Doux parfum fait forcément apparaître une horde et si je dis pas de conneries, tu peux avoir qu'un seul Pokémon en horde par zone. Donc si tu spams doux parfum, tu auras toujours des hordes de Latias. Ah. Ah.
Mais dans Slam sur Barnett et Tranchodon. Putain, c'est pas con ça. Ah bah super. Bah super. C'est où la boutique? Parfait. 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 Alors, Hyper Ball. Hop, 20 Hyper Ball, faut pas déconner. Et après, on va prendre des Hyper Potes. Voilà. 13, en vrai, ça va. Vous n'avez pas assez d'argent, mais je t'en pose des questions, là, toujours, être là, à critiquer, là, vous n'avez pas assez d'argent, mais alors? Pas parce qu'on a un peu moins d'argent qu'il faut direct nous cracher dessus, quand même, comme ça, là, oh. C'est abusé, quand même. Toujours à nous cracher dessus, là, vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas assez d'argent. Revenez quand vous avez plus de thunes, il nous insulte, limite, le mec, là, au vendeur. Oh. Bah voilà, pour que j'ai plus d'argent, les gars, oubliez pas de claquer vos primes, alors. Un Branette 5 méga Latias. Ouais. C'est... Bref, hein. Vendre le fossile. Hein. Ouais, ouais, je vais le vendre, je pense. Mais j'hésitais à le garder parce que Pusher, tu vois, il a même pas pu. Il a même pas pu être là et tout. Et. On le vend déjà, t'imagines un peu, Pusher, le pauvre. Merci, Furieuse. Eh bah ouais, je peux pas passer. Bah ouais. Je ne peux point passer parce qu'il y a le vieux Kecléon. Est-ce qu'il y a un modo qui peut faire le tirage à 21h15, s'il vous plaît, de la game et qui peut whitelist tout le monde? En mode genre comme ça, donner les IP et tout ça, comme ça quand c'est prêt je me connecte. Comme ça vu qu'on va lancer à 21h30. Merci Alma. Il y a une commande à rentrer pour la whitelist. Hein. Tiens, serre-toi pour acheter tes objets, merci beaucoup. On va réessayer une dernière fois de pouvoir faire. Ouais, on va voir si c'est que des méga Latias, on va voir. Vas-y, on va voir. Ben voilà! Eh ben voilà! C'est pas des méga Latias! C'est pas des méga Latias tout ça! Eh ben voilà! Carapagos! T'as déjà eu! Carapagos? J'ai pas eu Carapagos si! Non, j'ai pas Carapagos, hein, je crois! Non, j'ai pas Carapagos! Oh! Il va tuer tous ses potes! Hein. Oh le bâtard! Ah par contre, du coup, je peux capturer le meilleur en vrai, celui qui a la meilleure défense là! Attends! Déjà, on va tuer celui-là. Hop. En vrai, on est d'accord, je l'ai pas eu ce Pokémon là. Latias est devenu une tortue. Non, mais je vais le récupérer, c'est bon. Il évolue comment celui-là, les gars? Vous pouvez me dire? Draco souffle là. Hmm. Comment il évolue ce frérot là? Je vais tuer celui qui est tout à droite parce que j'ai l'impression qu'il a une défense de merde. Ah bah, je peux pas en fait. Kekilo invisible, c'est un Pokémon de zone. Je crois, mais je pense que c'est le Pokémon de zone de la ville. Hein. Donc en vrai, ça nous fera un Pokémon de zone dans la ville, hein, c'est bien. Level 24 ou level 39 hein. Ah, il y en a qui me disent 24, 30... Ah, attendez. On a 4 réponses. 24, 39, 37, 40. Et si Akira, est-ce que tu me veux? Putain, mais il m'a encore fait séisme, le frérot, là. Oh. Tu peux pas te réveiller, toi? Bon, là, il va tout ça. Plus, Shawa. Ah, bon, bah, je crois qu'on va pas avoir le choix, les gars. On va pas avoir le choix du Carapagos, ça je crois. Non! Putain, on a celui qui a une défense de merde! Non! On a le pire! On a le pire des trois! Enfin, le pire des quatre! Non! Bon, bah allez, mettez vos pseudos dans le chat, les amis. Ça se trouve, il a une attaque spé abusée, hein. Ouais, c'est vrai, hein. Mettez vos pseudos dans le chat, je tire au sort quelqu'un là direct dès que je peux mettre un surnom. Vous avez l'habitude. Qui veut être un petit Carapagos? Qui veut être cette petite tortue? Qui veut être cette petite tortue, messieurs dames? Qui veut être cette petite tortue? On tire direct. Bam! Ben! Ben voilà, il s'appellera Ben. Ben. Voilà, l'appeler Ben 721 TV, ben ce sera Ben. Ben! Ben! C'est toi Ben, mon gars, Ben! Ben la tortue. C'est Ben la tortue. C'est un nouveau personnage. Hein. Non, Kira, tu commences pas à bouffer mon clavier. Insomnia! Et il est boosté en attaque spé. Ok. Séisme, Draco souffle. Poudre dodo et météore. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Putain, à dire qu'on aurait pu avoir... On aurait pu avoir méga Latias, mais le chat a voulu voter autre chose, quoi. Mais bon, bref. Abusé, toujours ce chat qui vote les mauvais trucs, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ton Pokémon IRL, remets-le dans le PC. Il y a mon Pokémon IRL qui est en train de manger le clavier, là.
Ah, il y a une Pokéball là que je vais aller chercher. C'est l'évolution de Ben 10, il est niveau 15. Ah, je l'ai. C'est Ben 15. Putain, qui a remué la queue dans la bouche. Sa queue de chat, hein. Pas... Ah. Ah, mais j'aurais pu avoir le Pokémon de zone ici, en fait. Ah, merde. Tu fais quoi, petit chat, là? Est-ce que ça va être un Kikléon? Ou est-ce que ça va être random, les gars? Ah, c'est un Kikléon. Oh, ça fait chier, en vrai. Mais ça va, je te dérange pas trop, en vrai. Elle veut sortir, je pense. J'espère qu'il a des mauvaises attaques, hein, par contre. Hein. Ok, c'est de la merde, je crois. Il prend pas mon type? Il prend mon talent, non? Au miracle, hein. Ok, bah c'est nul, hein. Allez, viens, je crois qu'elle veut sortir, Kira, là. Allez, viens! Les objets que les PNJ donnent sont aussi random ou pas? Non, parce que sinon ça casse le jeu. Les objets que les Pokémon ont, oui, mais pas les objets que les... Gil, tu peux pas custom ton écran de combat, tu peux mettre Evoli. Avant, tu fais ça comment? Tu fais ça où? Et celui de la vue s'enfuit, tu peux pas le capturer. Oh merde. Et du coup, on a pas de poké dans la ville. Merde. Du coup, quand tu seras contre Groudon, ce sera Groudon ou un autre. Bah, normalement, c'est censé être autre chose, hein. Normalement, mais bon, on verra, hein. Dans les paramètres in-game. Vas-y, attends, je vais regarder. Ah, mais ça, il nous le donne de base dans le jeu, là, la Granite. En vrai, il aurait pu nous donner une autre méga Evo, quand même. Primo Ratata. Primo Ratata, Primo Kyogre, tout shiny. Bah ouais, en plus ça sert à rien tout ce que j'ai là du coup. Si t'as envie, t'as un casque brut au centre météorologique, ça peut être très fort. Ouais, mais c'est random ça, les items pour le coup. Ah non, c'est les items que les PNJ donnent, c'est ça que tu veux dire? Ah ouais, non, ok. Si c'est un PNJ qui me le donne, ouais. Ok, bon, faut que j'aille faire l'arène. Hein. Bah ouais, vous savez quoi, on va finir par l'arène, voilà. Vous savez quoi, on fait l'arène et puis je vais faire le LG. Ça me laisse le temps de faire l'arène, c'est parfait. Puis après, comme ça, je trace pour le LG. C'est très bien en vrai. Merde. Ça me laisse 10 minutes, j'ai 10 minutes pour faire l'arène, c'est bon normalement, je pense que ça va. Quoique, en vrai, je vais peut-être souffrir, hein. Je suis en train de me dire, hein. Je suis peut-être hyper à la bourre en termes d'XP là, mais bon. Écoutez, on verra. C'est le scientifique qui te le donne. Ok. Un casque brut, ça peut être pas mal, hein, effectivement. Oh putain, si j'ai un Léviator, les gars. Si j'ai un Léviator, en vrai. Merci, Matt. Vroom vroom, le vélo. Merci, mon frère. Merci beaucoup. C'est chaud pour l'arène. En vrai, j'ai quand même envie de tenter, je pense. Mais vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre Latios, en vrai, dans l'équipe, hein, je pense. Je prends Latios au cas où. Mais je le garde au fin fond de l'équipe, quoi. Je vais enlever Carapagos parce qu'il sert à rien. Je vais enlever Carapagos. Hein. Je vais essayer de prendre des hauts levels, quand même. Et voilà. Hop. En vrai, je pense que ça peut le faire, en vrai. Hein. Je pense que ça peut le faire. Je vais prendre Latios. Hein. J'enlève Carapagos qui sert à rien. Tranchodon, il est quel niveau? Niveau 20? Ouais, il sert à rien, lui non plus. Hein. Enfin... Pokémon, il sert à rien, en fait. Hein. Limite, faudrait que je prenne Diancie à la place de Tranchodon, en fait. On va faire ça, je pense. Hop. En vrai, ça va. À part le Soporifique. Il évolue quel niveau, Soporifique? Soporifique. Il évolue quel level? Niveau 26, mais ça va, il va évoluer dans deux niveaux, c'est bon, c'est bon. En vrai, ça va, c'est ok. Frigo, t'es tombé au combat? Ouais, il est mort. Mais en fait, il est mort, mais c'est ma faute en plus. C'est ma faute. Hein. Parce que j'ai fait un truc trop con en plus. C'est ma faute. LGUHC plus tard, je suppose. Dans CI15, donc dans 10 minutes. Ça me laisse juste le temps de faire le combat et on est bon. Ça va aller, vous inquiétez pas. Les gens sont en train d'être whitelist et tout, c'est juste pour pas attendre 10 ans et demi dans le, sur le truc, quoi. Je vais écrire dans le titre LGUHC à 15, je vais mettre comme ça. Au moins, ça me laisse le temps de faire le petit combat, là. Comme ça, on enchaîne dès que tout le monde est connecté. La compo est déjà prête. Donc, en gros, dès qu'il manque que moi, bah, je me co. Comme ça, au moins, on n'attend pas. J'ai récupéré la CT cheatée. Mais oui, la CT cheatée qu'on avait la dernière fois. Mais oui. Appel soin. Oh, putain, tout le monde peut la prendre, mec. Oh, la folie. Tu feras un épisode de Nuzlocke sur YouTube. Je sais pas, mec, on verra. Peut-être. Oh, j'ai tellement envie de le prendre, mec. Hein. J'ai tellement envie de le prendre. Hein. Après, je sais pas si sur Branette, c'est vraiment utile. Là. Non, merde. Ouais, je vais peut-être le mettre sur...
sur Latios, hein. Vous savez quoi? Allez hop. On va le mettre sur Latios, c'est parti. Pas mal en vrai. Est-ce que je suis encore en vie dans tes Pokémon si je suis mort, tu fais honte à la communauté? Je sais plus, t'étais quoi déjà, mec? T'étais quoi comme Poké? Quand le LG? Dans pas longtemps. Donc on finit juste ce combat et on y va. Une vidéo à la Josplay. J'ai fini Rosa en Nuzlocke full random. 2 vues, ça va faire à peu près. Ça va faire environ 2 vues, je pense. Hein. Vu comme les gens adorent ce contenu sur ma chaîne, je pense que vraiment... Hein. En gros, mais dans le titre, ouais, que j'y vais là dans pas longtemps, en gros. Ah bah c'est bon, en fait, t'as mis sur le message pinglé. Il va faire l'arène en 7 minutes. Oh, tu sais, le temps que je démarre le jeu et tout, oui, je pense. Hein. Les niveaux du champion sont 35 maximum. Non, mais non, mais j'ai... ce que tu sais pas, c'est que j'ai augmenté les niveaux de tous les Pokémon, hein, donc non. En fait, ils sont 35, mais avec 10% de plus. Donc, pas que 35, en vrai. Ah. Ah. Bah, ça commence bien, déjà. Il m'a fait quoi comme attaque, les gars? J'ai pas vu. Déjà, il m'a fait quoi? Déjà, ça commence bien, déjà. Oui, j'aurais dû méga évoluer, je suis con. Que de faire, il m'a fait? Ok, bon alors, ce qu'on va faire... Qu'est-ce qu'il y a qui tank bien le queue de fer, là? Pas lui, déjà. Pas lui. En vrai, Tanka, ça tient comment? 62, putain, ils tankent tous moins bien que Rimuru, en fait. Sinon, je mets Eragon. Fais dernier mot. Ouais, mais j'ai peur que... Ah oui, t'as raison, j'aurais dû faire dernier mot. Avant de switcher. Ouais, t'as raison. Ah! Oh putain, j'ai tellement bien fait de switcher, les gars, sinon j'étais tellement mort. OMG. Comment j'étais finito, mec. Je peux pas l'empoisonner, là? Que de faire, ça fait pas de dégâts, ça, normalement. Bah ouais, ça fait pas de dégâts, c'est bon. C'est bon, je vais le tuer avec des Trissus, c'est bon. Oh, s'il m'avait fait ballon dès le début, j'étais finito pipo. Hein. Ah, laisse-moi tranquille. Moi aussi, ça m'a fait peur le fait que la vie elle descende d'un coup comme ça là, j'ai eu peur. Ça m'a fait trop flipper. Allez, mais tue-le, pitié. Putain, mais tue-le, mec. J'irai voir Zakraf, j'irai voir. Allez, tue-le, mec. Allez, ciao. 4 morts dans les 20 prochaines minutes. Bah, attends, le problème c'est que. dans 10 minutes, je suis parti quoi. Mais ouais. En vrai, le Pyrax pue un peu, mais tranquille. Ouais, bah ouais, hein. Le problème c'est qu'il faut, je peux faire que Abîme sur des Pokémon qui sont moins level que moi. Donc bon. Karatrok. Karatrok ça a 2 en attaque. Hein. Donc en vrai m'en fous. Ça me tape pas. Ça a une énorme défense mais ça me tape pas. En plus c'est quoi comme type? C'est genre insecte roche, non? Un truc comme ça? C'est bon, il est mort, il va mourir. Hein. Il va me faire quoi? Lame de roc. Hein. Oh. Heureusement que ça a pas d'attaque ce truc. Hein. Oh putain. Heureusement qu'il a 2 en attaque. Hein. Non mais je vais le tuer avec le feu, je pense. Hein. Une chance que c'est un Karatrok qui se révèle sinon. Ah bah oui, si c'était pas un Karatrok, c'est fini toi. Hein. Giga Sensu. Ouais bah voilà, ça fait 2 dégâts, c'est bon. C'est bon, je fais feu follet et je le tue après, c'est bon. Hop, je le tue au fur et à mesure. Hein. Pourquoi t'as fait ça? Abîme, c'est pas ouf alors que Onde Vite c'est prioritaire et spécial et ça peut pas rater. Ah parce que j'ai confondu. En vrai. Parce que je croyais que Onde Vite c'était une autre attaque. Bah tant pis. Merci Clovisy, mais j'irai la réapprendre, c'est pas grave, t'inquiète. J'irai la réapprendre. Je pensais que c'était une attaque nulle mais en fait non. Bah vas-y, on va méga évoluer, écoute. Hein. Me tromper. Attendez, je vais déjà démarrer mon jeu les amis, comme ça moi ça sera fait. En fait j'aimerais bien finir l'arène juste en vrai, avant de partir faire le LG. Ok, ça marche. Bichard me dit qu'il est là vendredi pour Death Note. Hein. Mode Alma, est-ce qu'il y a tout le monde dans la game ou pas? De LG. Est-ce qu'il vous manque des joueurs en gros, c'est la question. Si vous manque des joueurs, j'ai quelqu'un qui est chaud. Qui s'appelle Caliste 1. Ouais, je vais finir l'arène avant d'y aller. Au pire, je commence avec du retard. Au pire, c'est pas grave, non? Y'a Caliste 1 qui veut faire le LG, on peut le whitelist hein, s'il manque... Bah au pire ouais, on rajoute un rôle au pire. On dit jamais non à un futur champion du monde de League of Legends.
Ça, on peut pas dire non, les gars. Vous apprendrez plus tard avec le temps qu'on peut pas dire non à un futur champion du monde. OMG! Ouais, mais tu peux rajouter en vrai un rôle au pire. Mode, c'est pas grave. Un bon truc, s'il vous plaît! Je connais ce Pokémon. Je connais Pokémon. Attends. Ah, vu vos trucs dans le chat, ça doit être nul là. Oh putain. Eh, dans 1700 d'XP, il réévolue. Dans 1700 d'XP, il réévolue, c'est bon. Là, je fais un combat, il réévolue instant, c'est bon. C'est bon pour vous. Je fais un combat, le temps que j'aille au champion d'arène, il aura déjà réévolué. Tu peux modifier le message épinglé, Alma, et mettre 21h... 21h20 21h25. Je veux juste finir l'arène, en vrai. Bah, mais au pire que je finis l'arène. Oh, merde. Non. Oh, ça va. Ça va. Ce n'est que le Pokémon champion du monde de 2014. Ou 2016, je sais plus. 2016. Pachirizu en 6G trop fort. Hein. Mais c'est bon. C'est que le Pokémon champion du monde de la 6G. Ça va. Toxitouche. C'est bon. 2014. Ah merde. Ah oui, 2014. Oui, 2014. Bah oui, la 6G, je suis con, c'est 2014, la 6G. Pourquoi tu méga évolues pas? Mais parce que je suis con, mec. Parce que vous me posez trop de questions, les gars. Allez, 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 c'est bon là. En vrai, Mega Branette, il est trop stylé en vrai, hein, franchement. C'est une folie comment il est trop beau ce Pokémon. J'ai jamais trop utilisé ce Poké, mais lui, il est vraiment beau par contre. Hein. Allez, ciao. Mega Branlette, hein. On rigole bien, hein. Chant antique, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en vrai, je vais prendre, hein. Je vais enlever méga fouet, hein. Écoutez, hein. 85 de précision, hein. Méga quoi? Méga branette. À chaque fois que vous entendez autre chose, c'est que votre cerveau est mal... Voilà. Vous entendez trop de choses différentes, les gars. Au bout d'un moment. Quoi, tu rigoles quand tu dis branette, c'est un nom normal, hein. Bah ouais, non, mais c'est... Je sais pas, le nom me fait rigoler. Parce que j'ai lu un message drôle dans le chat, c'est pour ça que je rigolais. C'est pour ça, mec. C'est bon, on est au bout ou pas? On est pas du tout au bout. Attends, il reste combien de dresseurs là? Ouais, hey, le prochain, je le fais pas. Hein. Non, j'arrive sur le stream, je vois des trucs bizarres. Non, t'entends rien du tout. Encore! Le retour! Le retour! J'ai toujours pas compris la vanne, on peut m'expliquer SVP. T'inquiète, t'es trop. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Hein. Tu comprendras plus tard, t'inquiète. T'es trop jeune pour comprendre. C'est des affaires d'adultes. Hein. Tu es le last du coup. Bah, t'as donné l'IP à Caliste ou quoi? Il a l'IP Caliste 1 ou pas du tout? Bah écoute, je me connecte et on lance la game, c'est bon. Et au pire, je me giverai les trucs de début, hein, c'est bon. Hein. Oh putain. Oh, c'est chiant. Il n'a pas le mumble. Ah, tu peux me l'envoyer. Attends, je vais lui envoyer. Oh, c'est chiant ça. C'est quoi? C'est fort en défense ou défense spéciale ce truc? Je sais plus, les gars. À un moment, tu vas aboyer en plein live? Non. Bah, non. Tan. 200 en défense. Donc si je tape sur Explo Nuit, ça va. Ok, nice. Ça va. Parfait. Défense P nulle. Ok, nice. Putain, j'ai bien fait de le brûler par contre. Hein. Il m'aurait fait mal sinon. Hein. C'est bon. Méga branlette trop fort. Bravo. Il peut pas join le Discord au pire. On le met en ami. Tiens. Mais non, mais mec, il a pas le temps. Il est champion du monde League of Legends l'année prochaine. Tu crois qu'il a le temps de join le Discord? La vanne est un peu longue, hein, toujours. Hein. Ça attend pour le LG. Bah ouais, mais c'est ça. Vous savez, faut faire attendre. Faut faire monter la hype. Hein. Mais je me connecte là dans 2 secondes. Allez, le retour. Mathéo, merci Mathéo pour le subgift à Chérim. Allez, encore.
Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais alors, aucune idée de ce que c'est. Ah, ça réévolue. Ça réévolue encore. Ça réévolue. C'est déjà mieux qu'avant, mais ça réévolue. Décidément, ça se passe pas très bien. Hein. Attendez, on va juste se heal. Hein, parce que là, on va faire le champion, là. On va aller se heal, on va faire le champion, là. Hop. C'est infâme, les évolutions, quand même. Hein. Eh ouais, hein. Mais bon, hein. Qu'est-ce que je te dis, hein. Comme ça, hein. Niveau 39, il évolue. Ouais, bah, il va attendre un petit peu, hein. Il est vraiment laid de fou. Mais voir juste son talent, en vrai, pour rigoler, vite fait, là. Encore un champion. Ouais, là, il reste le champion, là. Il reste le champion à faire et je me co direct après. Je peux même me co avant et au pire on lance la game, avant je m'en fous hein. Mais il est où en fait hein? Ah mais c'est lui. Putain je suis con. Merci Big Maxel. Arbu Baston, le Pokémon est protégé des coups critiques. Bon au moins c'est bien. Ouais par contre putain vas-y mec, c'est plus la merde ces stats là. Vous savez ce que j'ai envie de faire hein? Franchement j'ai envie de prendre le risque hein. J'ai envie de partir avec lui en premier. Genre j'envoie lui en premier pour le premier Pokémon. Ou alors non en vrai non, c'est de la merde. Une idée de merde. C'est une idée de merde, c'est à quelle heure le LG les potes? Dès que j'ai fini l'arène, mais là il me reste un combat donc c'est bon. De toute façon je vais me connecter mais au pire je me giverai les trucs dès le début. Parce que moi je vais pas m'arrêter à un combat de la fin quoi. Tu vas tester Supermarket Simulator? Non j'ai regardé des vidéos et je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ce jeu. Je trouve ça nul à chier quoi. Enfin chiant voilà, pas nul à chier mais... Je sais pas, je m'endors quoi. C'est comme, c'est comme les trucs de... En fait tout ce qui est Simulator, moi perso, voilà. C'est... ça m'ennuie quoi. Et je comprends pas ce que les gens ont avec ce jeu, enfin... Je sais pas, j'ai regardé vraiment... Branette Simulator. Même ouais, Power Wash Simulator, putain, qu'est-ce que c'était... Voilà, top 1 des pires jeux de la Zealand l'année dernière quand même, mais bon. Hein. Allez, tourne-toi vers le bas, mon bro. Allez, sur le côté, mec. Hop là... Quoi? Oh non, mais pas, c'est pas fini encore. C'est pas possible. Attends. Attendez. Ok, hop. Hop. Ok. Ok. Allez. Oh, j'ai pas mis d'items à mes poké. Quel enfer. J'ai oublié de mettre les items. Bah c'est pas grave, vas-y. C'était trop nul à regarder même à la Zealand. Ah mais moi j'ai trouvé ça hyper chiant hein. À la finale, quand je regardais les trois qui s'affrontaient en 1v1, mec c'était les 30 minutes les plus longues de ma vie hein. Ah non. Bon allez, on fait ce combat et on va faire le... On se connecte dans le LG, ok les gars? On sera à l'heure, de toute façon c'est bon, on est à l'heure. Il manque que moi, c'est bon. Allez. Alizée, elle s'appelle. Ça passe une bonne soirée? Bah ouais, Neil, on va aller faire le LG juste après, là. Oh. Oh non. Ça commence mal, déjà. T'as déjà vu une game de LG à l'heure? Non, non, bah non. De toute façon, j'avais dit 21h15 pour le tirage, normalement. Oh, ils sont tellement plus haut level que moi! Allez, feu follet. Ils sont tellement plus haut niveau que moi, mec! Bon. Là, il est dans l'étagère, il est là. Il est là ce poké là, il est juste là, là. Extra ascenseur. Hein. Bon, c'est psy, ça va, c'est pas typé, donc ça va. Putain. C'est bobo quand même, hein. Mais bon, je peux faire Dracogriffe, hein, je pense. Ah bah non, il est typé. C'est ciao. J'avais oublié, bah oui, oui, il est typé, j'avais oublié. Là, je suis trop con, je suis trop con. Bon, je me barre, hein. Je me barre. Ciao. Ciao. Ciao! Qu'est-ce qu'il a comme attaque à part ça? Ah. Bon, en vrai, Ragon, hein, c'est le boss, hein. Lumino canon. Ça va, ça fait 2 de dégâts. Très bien. Voilà. Il va mourir du feu, petit à petit. Il va mourir du feu, les gars. Vous inquiétez pas, il va mourir du feu. Regardez, là, je fais hyper... super potion à faire. Hop. Super potion sur Rimuru. En plus, Rimuru, du coup, il a... Oh! C'est tout! Ah mais oui parce que j'ai de pierre c'est physique. Heureusement je l'ai brûlé hein. Punaise, heureusement je l'ai brûlé. J'ai détritus. Au revoir. Au revoir mec. Merci Kintaro, merci beaucoup. Ah ouais d'accord. Allez dégâts c'est pas ça hein. Je tanque le suivant, ça va. Merci Flomax, merci Kintaro les gars. C'est bon. Allez ciao. Oh non il a l'hyper potion, le bâtard. Oh il a l'hyper potion. Merci les gars pour vos resubs. Alors je me heal hein. Ouais, on va se heal avec une super potion. Hop. Fais attention au crit, ouais ça va. Les autres ont hâte que tu termines ton combat. Bah ils vont attendre un peu, c'est bon hein.
Moi d'habitude on attend 25 minutes à chaque fois, on attend des gens 25 minutes à chaque fois que les gens se connectent. Hein. Donc bon, c'est bon. Ouais merci Neil. Ouais, moi j'adore Pokémon en vrai. Putain mais il a Erdo ce bâtard. Je tanque le suivant ou pas? Non je pense pas. Hein. Merci Capote, merci beaucoup. J'ai raté tout Pokémon c'est ça? Ouais. En vrai t'as raté quoi mec? T'as raté la perte de Frigoat, voilà. Et là je suis dans la merde. Parce que j'ai beaucoup de level de retard, beaucoup beaucoup. Je vais voir du côté de Gap à toutes, hein. À plus tard, au revoir. Imagine je fais des games LG pour que les gens aillent voir les streamers des autres qui viennent faire ma propre game. T'imagines un peu? T'imagines? Tiens, aucun honneur, aucune dignité, rien! Que dalle! Rien! Je plaisante, je rigole. C'est une blague. Ouais bah va jouer. Bah après Gap là il fait la game je crois en plus hein, non? Au pire les gars, regardez. Hop, regardez. Tac. Tac. Allez lance la game. Lance la game, c'est bon. Lance la game, je me giverai des trucs après. Je me giverai des trucs après, c'est bon. Mamochon. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Attends mais Gap tu l'as attendu ou pas? Mais on était pas à 27? Attends il fallait pas attendre Gap? Attendez, il fallait pas attendre Gap là? Fallait pas attendre Gap? Ah mais si Serco en fait c'est bon. Pas vu Serco c'est bon. C'est bon. Bah moi vas-y je me giverai des trucs après c'est bon. Je finis mon combat et je me give après ok? Putain j'ai pas vu ce qu'il m'a fait comme attaque du coup merde hein. Ah merde. Ah il a une attaque de merde. Ah il a une attaque qui fait chier. Oui il y a Caliste dans la game hein, ouais. Merci Mathéo pour le sub gift à lapin. Ah, il a vent violent, ça fait chier. Vent violent, c'est quoi? C'est spécial? Je sais plus, les gars. C'est spécial ou c'est physique? Je sais plus. C'est quand le prochain LG? Là, dans 2 secondes. C'est écrit dans le titre du stream et sur le chat, les amis. Attendez juste 2 secondes, s'il vous plaît. Soyez patient 2 petites minutes, s'il vous plaît. Je suis là juste après. C'est spécial. Hein. Ok. Ok. Ça va. Oh non! Putain! Oh là 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 là! Ah ouais, t'as vu 5 mégalatias? Ouais, il y avait des mégalatias tout à l'heure. Putain, fait chier. Dites-moi, les gars, elle a combien de. Vous savez combien elle a de potions? Enfin, combien il a de potions ce dresseur ou pas? Le mammo soigne de l'enfer, mais il est trop chiant vraiment. Hein. En vrai c'est pas grave si je rate les 10 premières minutes de la game, moi ça me dérange pas, hein. Je me giverai des trucs au début et c'est bon ouais. Bon allez Dracogriffe, allez. Est-ce que je vais plus vite que lui? Bien sûr. Le vent c'est physique ou pas? Bonne question. Bah après il y a des attaques vol qui sont physiques hein. Il y a des attaques vol qui sont bien physiques comme il faut hein. Pas grave t'as explosé. Non mais c'est bon regarde hop. Je tape avec l'attaque la plus forte. Allez je crois que l'hyper il a déjà utilisé donc c'est bon, il doit plus avoir de potion. Allez 2, il en reste 4. On s'en sort. Il faut pas que je le perde celui-là. Si je le perds, j'ai tellement perdu la game en fait. Si je le perds. Ah ça y est frère. Ah ça y est. Bah non mais au bout d'un moment faut arrêter les conneries quoi. Mewtwo. VG attaque hein. Heureusement qu'il a raté hein. Allez explosion direct hein. Hop. Normalement il me tue pas, de toute façon j'ai voilà. Pourquoi y a pas le LG? Je finis mon combat et j'y vais de suite. Attendez juste 2 secondes s'il vous plaît les amis. Soyez patients. Ok. C'est écrit sur le message épinglé les amis quand vous arrivez, regardez. Tout est écrit partout. Ça arrive, 2 secondes. Ok, normalement je vais le tuer. Ok, refait VG attaque. Ok. Oh non!
Putain, j'étais bien en vrai. Eh les gars, vous voyez les messages que j'ai dans le chat, dites-vous qu'à l'époque c'était 10 fois pire. Hein. C'était dès qu'il était 21h01, les gens venaient sur mon chat en disant le LG, les gens spammaient, le LG. Vraiment, le manque de respect était énorme à l'époque, c'était une folie. Là, je trouve ça s'est calmé quand même. Mais à l'époque, mec, les gens n'avaient rien à foutre quand je streamais de trucs, c'était vraiment. Non, mais moi je me casse en fait, je fais pas le LG en fait. Je vais voir d'autres streamers là, fais le vite. Genre vraiment, les anciens modos, ceux qui étaient là avant, ils peuvent vous dire qu'à l'époque c'était vraiment quelque chose. Hein. Moi ça me faisait chier vraiment. Hein. Mais bon. Comme ça. Bon allez, il en reste 3. Ah lui va réévoluer du coup. Allez. Non mais oui, oh c'est de la merde. Oh c'est nul, c'est quoi, c'est type fée ou... Non c'est pas type fée ce truc, non. Est-ce qu'il a pris le type fée en 6G ou pas? Je crois pas, hein. Je crois qu'il est type normal, on est d'accord. Hein. Pourquoi il attaque pas quand tu heal? Parce qu'il a raté son attaque. En fait il y a une chance qu'il rate l'attaque. Normal pur, hein. Allez ciao. Le... Sa méga prend le fée. Comment ça? Ah il y a un méga, non mais oui. J'en apprends quelque chose là. Il a l'orbe flamme. Ah le bâtard, je sais ce que ça veut dire ça. Ça je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que je vais crever là. Ah mais non parce qu'il peut pas faire l'attaque. Il peut pas faire l'attaque. Hein. C'est sa seule méga 5G d'ailleurs. Mais attends, c'est abusé. Méga non mais oui. Mais incendie ça me brûle à chaque fois ou pas? Non c'est bon. Dracogriffe. Bam. C'est tout? Putain, ça fait 2 dégâts. Hein. 30% brûlure, le nom, mais oui. Coup critique. Hein. Oh là là, putain. Mais c'est pas 30% avec moi, c'est 90% avec moi. Hein. En vrai, vous inquiétez pas pour la game, les gars. Regardez. Si vous posez une question pour la game LG, regardez. Tout va bien, regardez. J'ai raté que le début. C'est bon, en vrai, les gars, je vais aller dans la game. Il me restera juste 5 minutes avant les rôles. C'est parfait, en vrai. On rate juste le début chiant, là, vous savez. C'est parfait, en vrai. Merci Nelik. Explonu est mieux, ça lui baisse l'attaque SP. Ouais mais bon vas-y attends, de toute façon je vais pas... Oh putain. Oh là là, non la folie frère. Oh la folie là ce truc là. Bah ouais je vais faire l'autre attaque hein. Oh là là, les gars j'espère que vous êtes prêts à rater le rôle hein, parce qu'on va mettre 10 ans et demi hein. C'est un sac à PE, non mais oui. Ah peut-être que en vrai... Non mais il est trop chiant. Il est trop chiant. Non, commence pas à me faire chier. À ce rythme, tu vas rater toute la game. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Moi, vous savez, je vais voir le rôle, hein. C'est pas grave. Moi, à partir du moment où j'ai mon rôle, je suis content après. Je me give la table d'enchant, c'est bon. Imagine, t'as un rôle nul, tu continues Pokémon. Non, mais j'irai faire le LG. Mais juste en vrai, je vais me give juste le stuff, quoi. Est-ce que j'en tank encore un, les gars? Ouais, je tank encore. Hein. Je peux encore attaquer, je tank. Allez, tue le s'il te plaît. Oh, merci. Putain. Quel gros chien. Voilà, je le dis, quel gros chien, je le dis. Quel gros chien, voilà. Quel gros chien femelle. Parce que c'est un femelle. C'est un femelle, ouais. C'est un Pokémon femelle. C'est un femelle. Bon, je vais commencer à me give le stuff, hein. Ah, mais on m'a déjà give des trucs. Regardez. Eh, les gars. Ça joue le LG ou quoi l'équipe là? On m'a déjà give des trucs là, c'est parfait. Ouais bon le give à moitié là. Non mais je vais clairement me give du diam, c'est tout, hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Il me régale. Nouvelle strat. En vrai c'est marrant, vous avez fait une petite maison et tout les gars, c'est joli hein. Franchement, masterclass hein, le design de la maison, regardez hein. Masterclass je trouve personnellement, j'ai l'impression d'être en 2010 là. Ah, vraiment trop beau hein. Hop. Trop beau en vrai, trop beau, vraiment, j'apprécie. J'apprécie l'effort qui a été fait, je le dis. Ah j'adore. On a le droit de jouer ou pas là? Mais il continue de faire ses appels soins de merde. J'en peux plus. Attends, ils vont miner pour moi. Ouais, mes modos sont en train de miner là, vous inquiétez pas. On a un problème les amis. Il me reste 2 épées pour Explonui. Attaque-moi, je t'en supplie. En fait, je pense que j'ai compris, les gars, ce qu'il est en train de faire. Je pense que j'ai compris. Il a plus de PP pour incendie. C'est ça qu'il est en train de faire. Il n'a plus de PP pour incendie et il ne peut plus me toucher. C'est ça qu'il est en train de faire. Hein. Regardez. C'est ça qu'il est en train de faire. Hein. Il a plus de PP d'incendie et il a que des attaques normales. Voilà. C'est pour ça qu'il fait qu'une attaque. Mais oui, c'est pour ça qu'il fait qu'une attaque au boucle. Hein. C'est pour ça qu'il fait que ça. Depuis tout à l'heure. Hein.
Bah ouais. Fais voir. Ah, il fait giga sensu. J'ai pas compris ce qu'il a fait là. On va rater toute la game les gars du LG, c'est terrible. Appel soin putain. Bon allez c'est bon, je vais commencer à miner là, c'est parti. Hein. On va commencer la game là, c'est bon. C'est quoi ce Pokémon de merde? On en peut plus en fait. Mais faites-nous sortir de là, on en peut plus en fait. Combien ça de PP, appel soin s'il vous plaît les gars. Je vous en prie, combien ça de PP, dites-moi. J'en peux plus là. Salut Super City, ça va? Sortez-moi d'ici là, vraiment j'en ai marre. 10, hein. Mais il en a plus, c'est bon, c'était son dernier. Il en a plus, c'est pas possible. Hein. Il m'en a fait, ça fait une heure qu'il fait ça. Ça fait une heure qu'il me fait ça. Coup critique. Hein. Mais aidez-moi en fait, je vous en prie, sortez-moi de ce truc en fait. Je vous en prie, sortez-moi de ce truc. Ouais, t'as raison, je vais accélérer la vitesse, hein. T'as raison. Je me heal parce que je pense qu'il a plus de, il a plus l'appel soin. C'est la prison hein. C'est la prison les gars. C'est bon promis j'arrive. C'est la prison. Allez. Des bons s'il vous plaît. Des trucs rapides. Non. Des trucs bien s'il vous plaît. Gribouille non. Si c'est bien en fait. C'est très bien. Au revoir siphon. Allez, un truc bien! Ça dégage. Ah bah tiens, on parlait de la grêle tout à l'heure. Hein. Ça dégage. Hop. Piétisol. Voilà. La vitesse baisse, hein, c'est pas grave. M'en fous. Hop. Allez, ça dégage. Hop. Allez, hop. Au revoir. Hop. Allez, le dernier. Merci, Mathéo. Attention à ce machin quand même. Mais normalement, on a gagné. Allez c'est bon niveau 41 Phyto Mixeur. Oui c'est bon c'est gagné. Hop. On fait que des attaques de merde. C'est bon. On va gagner. Bam. Corgel. Quoi? Bah attends le scénario de fou qui vient de se passer. Attaque s'il te plaît. Oui. Allez vas-y. Voilà c'est gagné. Allez on peut jouer GLG. Wouhou. Ah bah attendez, il faut finir par une folie. Attendez, il faut finir par un petit truc sympa quand même. Allez. RLCraft, j'ai déjà joué, mais attendez. On découvre l'évolution random. Hein, et après, je m'en vais. Oh, mec, il a pas son talent de merde en plus. Hein. Oh, c'est bien. Oh, s'il a pas son talent de merde. Oh, s'il a pas le talent de merde qu'il a. J'adore ce Pokémon. Il faut juste pas qu'il ait le talent dégueulasse qu'il a normalement. En vrai, j'aime pas trop Dansefleur. Hein. Je vais vous mentir. Renonce à Dansefleur. Je suis pas trop fan. En vrai, oui, c'est une chips, mais en vrai, s'il a pas son talent de merde, il a Rapace en plus. S'il a pas son talent de merde, s'il est trop fort. Attends. Oui, bah oui, là, c'était Danse Draco. Bah merci. Merci. Ouais bah merci en vrai. Ce serait bien. On continuera demain Pokémon les amis. Demain même heure 19h. On continue. Je lance mon live. On continue direct. Merde c'est pas ça que je veux faire. Je sauvegarde. Je regarde juste son talent. Et j'y vais. Merde. Oh là là son béquéole. Régé force. Régène un peu de Pokémon. Si le Pokémon est EP. Si le Pokémon est retiré. En vrai ça va. C'est une chips. Mais il a 87 d'attaque hein. Il a 87 d'attaque. Avec plus de 13 niveaux de retard hein, sur Branette hein, quand même. Ok, il est très bien. Allez, parfait. Nickel. Hop. Allez. On est de retour dans le game. Pour demain, on va bien s'amuser. Let's go. Allez, je sauvegarde. Hop. On se retrouve demain pour la suite de Pokémon. Et puis, au revoir la VOD Twitch. Enfin, YouTube, du coup. Au revoir. Et on va faire le LG tout de suite parce que je suis en train de me faire engueuler. Hop.